Ils sont bien. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je ne sais pas regarder les caméras, on est au studio de Dwagby et il est très beau d'ailleurs. Vous êtes chez vous, on est chez nous, on est à la maison. Félicitations, c'est hyper bien frérot. Merci beaucoup, ça me touche. C'est giga grand, giga propre. T'es jamais venu ? J'étais déjà venu pour le live d'Amine, mais pour le truc des boîtes. Mais je ne savais pas que c'était dans les studios de Dwagby. Et c'est après 30 minutes que je connais. Mais okay. Ça, pourquoi il y a un truc de Dwag là ? Ah oui, parce qu'il y a mon profil YouTube et tout. C'est nous sommes Dwagby. Mais tu es hein ? Mais tu es bête ? C'est ce qu'ils t'ont dit. Les gars, je suis content qu'on fasse un petit live IRL sur ma chaîne. C'est rare, on en a fait. Alors, c'est pas un live IRL. Non, je dois contrer. Mesdames et messieurs, je contre Uno. Reste un live IRL. Ce n'est pas un live IRL. Un live IRL, tu prends un backpack, tu prends ton téléphone, tu prends un truc. Tu veux que je te ramène un sac à dos, tu te sentiras oui, mieux. Oui. Je te ramène un sac à dos. Un sac à dos, s'il vous plaît, parce que on n'est pas dans la vraie vie là. On est dans une fausse vie. Non, mais c'est un live plateau, c'est genre. En fait, on est des gamers derrière des PC, donc dès qu'on est sur notre PC, on est IRL. On est dans la vraie vie, quoi. Tu vois là. Mais du coup, touche là. Voilà. Là c'est un live IRL, oui. C'est bon, c'est un live IRL. Alors déjà c'est mon sac. Alors ça compte même pas frérot. Ah, après je peux montrer ton sac Avengers à Disneyland. Même pas. On dirait le sac d'un neveu qui a entre 8 et 9 ans, c'est incroyable. Frérot, je l'ai acheté, c'est un collector édition. Tu me parles. J'étais là le jour où il l'a acheté. C'est vrai ? Ah, il était là. Ah, il toujours était ensemble ces deux-là. T'as vu qu'ils sont beaucoup rapprochés dernièrement. C'est vrai que je garde un très bon souvenir. Ouais, très très bon souvenir. L'un des meilleurs souvens que j'ai dans le streaming game. Bah tiens, j'en profite, je te le dis moi aussi. Merci frérot. Ouais, pourtant, j'ai passé beaucoup de moments privilégiés avec mes amis. Bah, celui-là était. Ouais. Sûrement que j'étais à un moment de ma vie où j'en avais sûrement besoin, mais. Il a un peu gêné. D'accord. C'est vraiment. Ça vient vraiment du cœur. C'est réciproque. Je veux que tu le saches. C'est réciproque. C'est réciproque. Il le tient par le callback comme s'il allait frapper. D'ailleurs, tu m'avais dit qu'on devait refaire ça un de ces quatre. Oui. Bah, quand tu veux, mec. Oui, bientôt. T'avais pas vu mes messages de relance Est-ce que. Bon, les gars, live IRL, aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, pour fêter la nouvelle année. On l'a fêté lundi déjà sur le Master Key, le Valo, qui était très, très marrant. Oh, putain. Où, bon, on va pas revenir sur les événements qui ont lieu à la fin du live, Gotha, ça s'est pas très bien passé pour toi, frérot. D'ailleurs, ça va depuis Ça va. La fameuse roue. Il y aura pas de roue aujourd'hui. Écoute, non, dans tous les cas, c'est ce que j'ai dit à la fin, tant mieux que ça tombe sur moi, je le savais déjà. Dès que j'ai écrit les noms, c'est vrai que franchement, si tu mets un replay, tu verras, je le savais. Quand j'ai écrit mon nom, je savais que ça allait tomber sur moi, je ne gagne jamais à ce genre de jeu. C'est comme si là, tu m'en fais un Shifumi pour rigoler, je pense que je le gagne. Go. Juste pour rigoler. C'est parti. T'es prêt ? Shifumi. Shifumi. Il rentre dans sa tête, voilà, là. 1-0. Et là, regarde, on parie 5 balles, t'es prêt ? Shifumi. Shifumi. Je vais pas comprendre, Shifumi. Ah bah non, j'ai gagné 5 balles. 5 balles. Let's go. Petit tout double. C'est ça la technique. Il m'a dit, juste quand il est arrivé, il m'a dit, frère, j'ai une technique, je vais prendre 5 balles. Ouais, mais regarde. Il a même pas eu le temps de dire oui qu'il a déjà perdu 5 euros. J'ai pas compris qu'il y avait les 5 euros. Ah. Donc maintenant, c'est moi qui mets de l'argent et là, normalement, je ne peux que gagner. Ah. Et tu repars avec combien? Je mets 10 euros. T'es prêt? 10 euros. Ouais, t'es prêt? Shifumi. Shifumi. Oh non, il sait pas voir. Voilà. Et donc là, t'as moins 5. Voilà. Du coup, t'as perdu. Il faut que moi je dise, ok, on parie tant. Bon. Effectivement, t'as perdu. Non, mais dès qu'il y a de l'argent, moi je ne peux pas. Non, mais t'avais gagné la première avec de l'argent. Oui, parce qu'il savait pas. Il a perdu. Je savais pas. Mais quand j'ai eu conscience, c'était terminé. Les gars, aujourd'hui, on va faire. Attends, excuse-moi. Oh. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est très important et j'aimerais que le chat se lève avec énormément de bonheur. Non, il gâche. On va voir ça plus tard. Ok, très bien. Je ne savais pas qu'il fallait respecter le papier. Écoutez, il allait niquer un truc. Il allait gâcher un truc. On n'est pas prêt. Ok. Tiens, il n'y a rien. Le papier là. Vois le papier, moi je ne l'ai pas vu. Tiens, bien sûr. C'est pas écrit sur le papier. J'ai lu le papier pourtant. Non, les gars, vous verrez ça en temps et en heure quand ce sera prêt. Aujourd'hui, on va s'affronter à travers. Plusieurs épreuves. Non, lui, je dois regarder. Ah ouais, vas-y, tu peux regarder. Parce que là, il n'y a pas ce qu'on fait ce soir, en fait. Ça, c'est que les os qui l'ont. Ok. Des os ce soir? Non, mais tu sais, je peux vous aider si jamais. Rien qui ne puisse te mettre en position confortable. Au contraire. Tranquille possible. Bah, bien sûr. Joue quoi. On veut t'apaiser, surtout après les événements de lundi dernier, effectivement. On va. Vous voulez payer ma part? Non. Non. On a parlé. Ça a été un sujet. Non. 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 Chacun sa merde. On a parlé beaucoup de choses, mais ça. J'ai commandé des jeux très élaborés il y a 3 jours, des jeux divers et variés. Et aujourd'hui, on va faire un peu des Olympiades. On s'affronte tout le temps sur des jeux. On n'arrête pas de se dire qu'on est idiot. Nous, on est nuls sur Sea of Thieves. Gotha et Tryhard, ils nous mettent tout le temps la raclée. Bah aujourd'hui, on rebat les cartes, messieurs. Aujourd'hui, on va s'affronter à travers des jeux de la vraie vie. Oh !
Voilà. J'ai notamment, je spoil la première épreuve directement pour vous voyez le délire, on a réussi à avoir un docteur Maboule géant. Comment ça? On va voilà, on le voit à l'écran. Ah oui. On va voir un docteur Maboule géant. Je sais pas encore. La qualité des jeux de ce soir, gros. Mais attends, et ils sont tous comme ça. Ils sont tous ce soir des jeux, c'est extraordinaire. Et avant qu'on commence à jouer, les gars, je trouve qu'il y a un peu de tension dans notre groupe ces derniers temps. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas très honnêtes, qui se disent tout. Ouais. Donc je vais revenir avec quelque chose. Oula, il me fait peur. Je vous dis qu'il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, attendez, il revient. Il y a un peu de tension là. Il revient, mais c'était Shifumi là qui est ancré. Alors, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Et voilà, c'est quoi? Alors jusque-là, tout va bien. Vous avez vu les vidéos détecteurs de mensonges et tout? Ouais, celle de ma suite. Voilà. Bien aimé. Ça, c'est le meilleur détecteur de mensonges de France. Oh putain. Non, non, touche pas, touche pas. Attention. Non, ça coûte très cher. Non, pour de vrai, ça coûte très très cher. Ah ouais? C'est normal qu'il est en deux morceaux. Les amis. Attends, c'est quoi ce truc? Attends, mais ça ne peut pas se faire comme attends, ça. Attends, non, mais attends, je l'ai utilisé plein de attends, fois. Attends, fais gaffe. Je sais comment ça marche, je l'ai utilisé plein de fois, frérot. Oh non, tryhard, va. Hé, hey, commence pas. Il traîne. Tu traînes. Première question, Locke. Est-ce que t'embrasses bien? C'est la question qui est dessus. C'est bon. Mais attends, le détecteur. C'est bon, il est assemblé. Réponse au détecteur, je pense. Non, c'est bon, c'est attends, bon. Non, les gars, aujourd'hui, on va apprendre à se connaître. J'allume l'instrument. J'ai l'impression que c'est les jeux que j'offre à mes petits frères et sœurs. Vraiment pas du tout, mais tu dis n'importe quoi. C'est abusé de mentir devant autant de viewers. Ça s'allume pas. J'allume le. Tu l'as cassé. Oh, attends, wow. Blague. Vous voyez à l'écran, les petites courbes. Attends, ok. Maintenant, c'est simple. On va chacun notre tour poser une question à la personne de notre choix. J'appuierai ici juste avant qu'elle réponde. Elle répondra, donc des questions fermées, oui ou non. Et on saura si elle dit la vérité. D'accord, mais c'est un niveau vraiment dessus, c'est-à-dire que t'as même pas besoin, ça capte même pas tes trucs, c'est juste à l'intonation, quoi. Oui, bien sûr. Ah non, mais les trucs de capteurs, ça faisait dans les années 80, 90. Okay. Ouais. Maintenant, c'est avec les IA. Il y a une IA hyper intelligente là-dedans. Okay. Je commence. Gotaga, des fois, as-tu regretté d'avoir live avec moi? Non. Attends. Ouais, c'est du haut de gamme. Non. Ça cherche. On va le savoir. Ça cherche. Regardez, là, ça fouille. Ça cherche. Oh, c'est vrai. Ça marche absolument pas ton truc. Enfin, si, ça marche super bien. Ça marche super bien. C'est toujours. C'est ouf la technologie. T'as toujours été content qu'on l'a vu. Oui, bien sûr. Bah, t'as vu, c'était vert. Donc, de toute façon, tu vois. Gotaga, as-tu déjà joué à des jeux que tu trouvais à chier, mais comme c'était une OP, tu l'as fait. Et t'as influencé les gens à y jouer. Alors, moi, j'ai la réponse. Là, il a franchi une ligne. Non, je pense pas. Aïe 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 aïe
On sait jamais. On va tout donner. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Si on a le rythme et qu'on est bien. Lucas, est-ce que du coup tu me fais confiance en tant que coéquipier pour le GP Explorer qui arrive le mois prochain d'ailleurs? Malgré le fait que tu ne suives pas trop ce qu'on te dit, oui. Aya. Il tire dessus en même temps. C'est... Ouais. Il te fait passer un message et il y croit. Ouais, mais il du coup, il t'a tiré dessus quand même. Ça marche bien, ton truc. Hein. Mais ça marche, je vous ai dit. C'était validé à fond. Question pour Dogby. Question pour Dwag. Vas-y, allez-y, avec plaisir. Dwagby, oui. Est-ce que secrètement, tu profites de nos lives pour faire de la propagande pour ton pays dont tu es fier, la Turquie? Non. C'était un nom assez quand sec. Hein. Quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes parce que j'ai quand même globalement l'impression que tu en parles à chaque live. J'ai été surentraîné par les forces de l'ordre. Il est envoyé par la Turquie. Justement sur The Lie Detector Game. Locklear. Ils ont les mêmes là-bas. Locklear. Oh putain. Locklear, voilà. Là, il est. Non, là, c'est le mode Locklear. Ouais, c'est le mode quoi? C'est le mode quoi? Est-ce que c'est le mode fois, est-ce que toutes les fois où tu m'as dit idiot, tu le pensais vraiment que j'étais. Idiot. Oh là, c'est impersonnel. Totalement. Oh non, j'espère pas que c'est vert. Oh non, j'espère. Ok. Il a pas compris. Non, mon frérot, je le savais. Je le savais. Je le savais, super. Mm-hmm. est-ce qu'on en sait assez les uns sur les autres, les gars? Ouais, je pense. Au pire, non, il y a des cartes stylées là. Tu veux les cartes? Au moins une carte chacun. Au moins une carte chacun. Il testera la carte de Dogby. Après, tu peux sélectionner une autre carte si vraiment. C'est pas ouf. Le jeu. C'est pour les enfants de 8 à 11 ans, donc les questions sont pas ouf. Ok, ok. Je vais t'aider. Okay. Parce que... File un petit paquet. Oh, j'en ai une. La dernière. La dernière? Allez, on y va. Pour moi. Pour Dwagby. Ok. Ok, Dwag. Oui. En sachant que je connais peut-être la réponse. Ouf, ça met une pression supplémentaire. Non. Tu connais. Il va avoir. Dwagby. Ouais. Ta copine regarde ce live. Oui. Si tu pouvais tromper ton ou ta partenaire sans aucun risque de te faire prendre, le ferais-tu, Dwagby? Non, jamais. Ça avait l'air sincère. Du coup, on commence les jeux ou pas? Ok, ouais. On va peut-être arrêter ce truc. Vas-y, on va pouvoir commencer les jeux. On commence par lequel, les frérots? Tu fais un petit Docteur Maboule? On commence pas. Oh, vas-y, Dwag, on va faire un Docteur Maboule. Dwag, y'a pas de soucis. T'inquiète, elle regardait pas, de toute façon, en vrai, je crois. T'inquiète. Tu veux. Attends, mais peut-être. J'en ai une. Une dernière. Non, t'inquiète. Ok. Merde. C'est allumé? Oui. Oui, faut appuyer sur le dessus. Ok, les gars, le premier qui répond, il a gagné. Attends, mais t'as déjà appuyé. Mais c'est pas du ça, le jeu. J'ai gagné. Le premier qui répond, il a gagné. Attention. Vous êtes concentrés? Oui. Quel est le vent le plus mordant? Le vampire. Incroyable! C'est lui qui décide si c'est la mort. Il a gagné! Il a gagné! C'est pas mal, c'est bien aimé. T'as bien aimé? Oh putain! Les gars, c'est Ticolas. Non, c'est déjà fait, c'est pas possible. En fait, j'ai cherché vent, mais non, le vampire qui mord. Ah, t'es chaud, mec, c'est bien. Il y a 60 000 viewers devant The Lie Detector Game. Mais t'as vu? Ce jeu, il est extraordinaire. En tout cas, merci les amis, vous êtes très très nombreux. On a plein de vrais jeux prévus pour après. Mais je crois qu'il y avait un dernier truc, non? Tu voulais. Non, c'était un peu gênant la question. Non, mais vas-y, je pense qu'on. Bon. Dwagby. Merde, c'est pour moi! Tu me le répètes pas deux fois. Dwagby, oui. Trouves-tu l'un des parents de tes amis attirant? Si oui, si ça répond oui, c'est le parent de qui tu vas devoir nous le dire. Trouves-tu l'un des parents de tes amis attirant, oui ou non? Non. Ah, il est confus. Ah, il est confus, c'est pas trop. Il est confus, on va répéter la question. Il y a une petite attirance. Je répète plus clairement, excusez-moi la machine. Il a pas l'air sûr, Dwagby. Ouais. T'as des bonnes questions, en tout cas. C'est cool. Trouves-tu l'un des parents de tes amis attirant? On va rapprocher la machine. Non. Il a l'air confus. Trouves-tu les parents de tes amis attirants? L'un des parents. Réponds. Non.
C'est toi qui as répondu, il va être confus encore. Eh bah oui. Bon, réponds à la question de Dwagby. Ok, ok. Non. Mais je pense qu'elle va comprendre que je m'énerve et elle va me mettre menteur. Non, mais. Oh il a tenté de le cacher, mais l'entraînement de la Turquie n'a pas suffi. Alors c'est vrai que la mère de Gotha a un petit air de Gotha, donc ça me fait des petits rappels. Pourquoi Madaron tout de suite? Pourquoi Madaron tout de suite? Et vous dites rien. On va passer au premier jeu de cette soirée. Le premier jeu d'Ogby. Le... T'as pas de lacet d'Ogby. J'ai pas de lacet. T'as pas de lacet. C'est le seul qui a commencé. C'est vraiment un chien, toi. Premier jeu. Les amis, je garde ça sous la main. Si jamais si ça va pas entre deux personnes, vous savez comment ça va se régler. C'est lui qui décidera. C'est lui qui décide. Oh merde. Voilà, je vous le dis. Oh merde. Docteur Maboule géant. Non. Il est juste là-bas. On va pas se mentir. Le jeu est très très simple. On va vous montrer ça. C'est très très simple de retirer les pièces sans faire sonner le truc. Bon, en gros, quand t'as plus de 6 ans, t'y arrives quoi. Donc on va devoir compliquer un peu les choses. Oh, j'ai peur. Soit on fixe un temps où il faut retirer le plus de pièces possible et à chaque trou, si ça sonne, tu passes au trou suivant. Soit tu vas tourner sur toi-même sur un balai pour être un peu étourdi et trembler un peu. Oh. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je vous suis, moi. Testons déjà la version de base et on fait évoluer. Je pense que la version de base, on va tous le faire. Ouais. On peut faire les deux. Alors c'est parti. Allons-y, messieurs. Non mais vrai truc qu'il faut décider, c'est est-ce que on est chacun pour allez, soi. Venez autour. Parce que je crois que. Regardez. Oh là là. Ça se passe ici. Oh, mais... Déjà, qui veut un gant? Oh ouais, obligé. En vrai, on est dans le médical. Très stylé. Hein. Alors déjà, s'il vous plaît, messieurs, on est dans le médical. Effectivement, on va s'apprêter à opérer. Ah, il y a même une tenue. Oh, ouais. Alors s'il vous plaît, messieurs. Ouais. Alors, monsieur Squeezie, c'est votre live. Oh. Merci de mettre votre tenue adéquate. Je suis prêt, merci beaucoup. Merci, docteur Leclerc. Mais bien sûr, docteur Maboule. Non. docteur Maboule. C'est vraiment ça. Qu'on définisse les règles. Ouais. On est d'accord que ce soit, on est chacun pour soi. Le but, c'est de finir la soirée avec le maximum de points. Oui, c'est très fort. Ça marche très bien sur live, c'est très très fort. C'est à moi que tu mets le. Parce que vous êtes les deux docteurs. Vous allez passer en premier. Venez, docteur Gotaga. Ce soir, chacun pour soi, mesdames et messieurs, on est tous à 0 point. Il y aura des épreuves en équipe, donc parfois, il va falloir quand même faire équipe. Mais tous les points sont comptés individuellement. Ce qu'on va faire sur docteur Maboule, vous voyez, il y a un corps qui a énormément de problèmes. Le but, le soigner dans l'entièreté. On fait quoi? On fait un passage individuel par personne qui, du coup, fait tout d'un coup. Et on chronomètre, et ensuite on voit qui a fait le plus de temps en rajoutant des malus par bip. Ok, mais si ça... Ok, à chaque bip. 20 secondes de plus, 10 secondes de plus, 15 secondes chaque de plus. Chaque bip, c'est 10 secondes de plus. 10. 10 secondes de plus. Chaque fois qu'on entend. Ça vous semble équitable? Est-ce qu'on peut. Attends, il faut tout enlever. Docteur Kotaga, est-ce qu'on peut tout entendre enlever. Un bip pour savoir ce que c'est? Je vais le faire, mais je sais pas si niveau régie, avec les micros. Oh, t'inquiète pas. Imaginons quelqu'un de ne pas vétéran, pas médecin comme nous. Bien sûr. Moins 10 secondes. Et le nez devient rouge. Le signal visuel indique que vous avez blessé le patient. Moins 10 secondes, direct. Directement. Chaque fois que ça sonne, c'est très vous êtes sur la même pièce, tu peux faire plusieurs fois moins 10 secondes. Voilà. Oui. Et là, tu peux pas douiller, on entend. Donc, c'est sûr que. Est-ce qu'on fait toutes les pièces ou est-ce qu'on se dit qu'on se limite à un certain nombre de pièces? Comme qu'est-ce vous qu'on voulez. Fait comme vous voulez. On fait toutes les pièces? Je pense qu'on peut faire toutes les pièces. Hein. Toutes les pièces, monsieur? Toutes les pièces, bien sûr, monsieur. Alors, avec bien sûr. C'est pas monsieur, c'est docteur. Pardon. Vous n'avez pas de blouse, donc vous savez pas trop à qui vous parlez. Bon, vous êtes mécanicien, ça se voit. Allez, allez-y, Gotaga. Mais on fait quelle version? Comment ça, c'est moi qui commence? Vous réparez les machines de l'hôpital, vous? Bien sûr, monsieur. Bon, alors que faites-vous là devant ce patient? Je suis là pour inspecter que la machine marche bien. On veut plus vous voir. Toi, Gotaga. Monsieur, vous faites. Ne me pointez pas du doigt. Est-ce qu'on lui docteur, vous faites. Arrêtez. Vous ne me pointez pas du doigt. Arrêtez. Même Ricard, vous n'avez même pas de gants. Il est temps de vous arrêter. Vous. C'est terminé. Oh, c'est terminé. Cette histoire ne va moins 10 secondes. Cette histoire ne va pas durer. Non. Il a rien fait, tu l'aimais. Bon, Gotha, tu veux commencer? Je peux commencer, monsieur. Moi. Il a fait sa strat. Il est serein. Moi, je propose un 20 secondes. Regardez-moi ce trahi. Gotha. C'est 20 secondes. Comment ça, 20 secondes? C'est 20 secondes, comme ça. Non, mais t'es sérieux, là? Mais bien sûr, c'est trop facile. T'as mangé combien de temps? Hein? Non, mais j'ai mangé. J'ai mangé à genre 10 minutes. Non, mais. Bien tenté. Attends. Pourquoi t'as cet accessoire dans des studios? C'est quand même remarquable. Je t'expliquerai après. Tu tournes en rond régulièrement en live? C'est pour d'autres problématiques. Hein? 20 secondes. Non, faut surtout pas. Non, mais. 20 secondes, gars, tu tournes sur toi-même. Par contre, dès que t'as fait tourner, ça commence direct. Donc, chronomètre, c'est bientôt prêt. Le cryogène, ça folle. Hein. On va nous donner un top. Voilà, le chronomètre est prêt. Dès que tu as pris la pince en main, le chronomètre se lance. Et là, t'as 20 secondes de
tournoyage sur toi-même. Quelle vitesse? De quoi? Attends, 20 secondes de quoi? Non, je n'ai pas compris. 20 secondes, tu vas vraiment, genre, tu vas bader, frérot. Non, 20 secondes, c'est rien, gros. Non, mec. Ok, 10 secondes. Donne-moi un nombre de tours, Ok, je retire un gant pour chronométrer. Non, mais un nombre de tours à faire. 6 tours, 7 tours. Il y a un chrono, là, je crois. Je me mets là ou je me mets autre part pour un plan en caméra? Tu veux chronométrer quoi? Je dois pas Ah, mais il est arrogant. Oh, mais c'est super bien ici. Il est arrogant, ce narcissique. J'ai pas envie, je regarde mes mentions. Quel bâtard. Vas-y. On fait quoi? 10 tours? 5 tours? Je me rends pas compte. Vas-y, c'est le premier 15 ouais, tours. Ouais, je suis le brouillon, je suis la version test. Vas-y, 10 tours. 10 tours sur toi-même. Oui, c'est vrai que t'es... Vous allez voir que ça bip à chaque truc, vous allez faire, on va faire un peu moins. Exactement. Bon, vous voulez pas besoin du chat. Quelqu'un y va ou je commence? J'en ai marre. Il faut plus que t'arrives à ça. Il y a 65 000 personnes sur ce live. Maintenant, on va écouter le chat. Ok, je vais. On va pas écouter le chat. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 15 tours, c'est trop. 15 tours, c'est le nombre de tours qu'on fait en grand prix de soi. 10, c'est bonhomme. Okay. Ok, et c'est parti. 1, okay. Non, 0. 1. Comment ça, 0? 2. On a dit combien? 10. 3. Non, mais en vrai, ça va être 10. Hein. On a dit 10? Ouais, il est mort. 4. Il est mort. Non, attends. 5. 10. Continue. Il tient déjà pas de 10. Non, c'est bon, on y va. Et lancez le chrono, Régis, top. Ok, à chaque fois qu'on entend bip, c'est 10 secondes de plus au chrono, on le rajoutera à la fin. On compte les bips. Oh, il est très fort. Ça, c'est fait. Docteur Gotaga, 0 bip. Je le ferai quand je serai moins drunk. Oui, Gota, il a raison, parce qu'il est malin, il sait que voilà, le fait d'être étourdi va passer, et donc commencer par les pièces faciles et finir par les difficiles. Tout est dans la stratégie. Précis, hein. Le docteur Gotaga a l'air extrêmement précis. Aucune erreur. Wow. Il faut que les deux parties métalliques s'entrechoquent pour créer justement la réaction. Mais ce gars-là ne tremble pas d'un millimètre. Non, tout est parfait pour le moment. Ah, oula. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a touché. Oula. Vous appuyez sur le patient 10 secondes. Vous appuyez pas sur le patient. On s'appuie pas sur le patient. Vous ne vous appuyez pas sur le patient. Laissez-moi tranquille. Oh, c'est pas moi, c'est l'homme. 5 secondes. Attention, lui il est dur. Oh. Oui, elle est belle. Ok. Très bien, il s'en sort. Pousse-toi. Attention, monsieur, vous me poussez. Il y a quand même un corps en jeu. Attendez, là c'est fait. Non, il a fini. Ah, c'est la dernière pièce en régie, soyez prêts. Comment on la prend? Oh, on en parle du quatrième. Oh, c'est très fort qu'il en ait fait qu'un sur celui-là. Terminé en régie. Non, je prends cette réclamation, on m'a poussé plusieurs fois sur le bip là. Oulala. Les amis, revenons sur les événements, revenons sur ce qui vient de se passer. Scandaleux. En sortant le cœur, Gotaga, dans sa major, a fait tomber le cœur dans un autre trou. Non, mais c'était fini, c'était fini. Non, c'est tombé dans un autre trou, il a dû le sortir et il l'a sorti. Il l'a sorti dans un élan de rage à la main. Mais tu vois, je comprenais pas comment. Tu sais, dans les histoires médicales, on entend souvent le médecin a oublié une compresse, il a refermé, le médecin a oublié ça. Oui, c'est vrai. Je comprenais pas, mais et les médecins oublient même parfois des instruments dans les gens. Délire. Et bah regarde, ouais, tu vois, non, ça arrive. Et on a vu aujourd'hui que jamais cet homme ne m'opérera. Rassure-moi, t'as pas de diplôme de médecin, Nico. Fermé là, je vous déteste là. T'as pas le droit d'exercer en France. Je vous déteste. Il est où le stylo? Il est où le Là, il y a un papier. Et quoi là? Et là, il y avait un élastique. La voiture, voiture, elle est là. Je t'en ai bien sorti, Gotaga. Non, mais là, il y a rien. C'est pour ça, à un moment, j'ai regardé parce qu'il y avait rien et j'ai touché à ce moment-là. Il y avait rien. Il a mis la pièce dans sa poche. Putain, c'est bien fait ça. Ok. Il a mis la pièce dans sa poche. Je suis médecin. Du coup, ça m'arrive de bifurquer sur les mots. Est-ce que je peux avoir un récap? Bien sûr. Très bien. Alors, il a tué 3 ou 4 fois? 4 fois. Je crois que c'est 4 fois. Non, non, pas 4 fois. Si, c'est 4 fois. Une fois, Locke m'a poussé. Non, t'as fait ça et t'es. J'ai récupéré votre main qui était sur le patient. Je pense qu'il a sauvé la vie. Il a parlé 4 fois. Il a sauvé la vie du patient. 4 fois. 40 secondes de pénalité. Oh putain, il est vraiment ajouté en colère. À son compteur qui était de 1 minute 56. Le compteur pénalisé. Il est vraiment c'est terminé. En et on me dit que les 1 minute 56, c'est le total déjà cumulé avec tes pénalités. Mec. Donc ça va, t'es à moins de 2 minutes. Il y a quoi? Il y a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mais en plus, il y a plus, non, y a plus très bien. T'as mis 13 secondes par contre. Non, par contre, je m'y attendais pas, mais vraiment, au bout du 4ème, je ne savais plus où j'habitais. Ouais, mec, c'est beaucoup de tours. Tu veux que je te rappelle ton adresse pour que tu te souviennes? Non, c'est bon. Oui, je la connais pas. Oui, il a raison. Bon, qui passe en suivant, les gars? Bah toi, t'as la blouse. Vous avez la blouse, monsieur. Bien sûr. Docteur, mais pardon. Je vais vous dire une chose, je vais vous épater. Docteur Squeezie. Pareil, 5 tours, ensuite tu prends directement la pince en main. Non, et il a fait plus que 5 tours, non? Il a fait 5. Ah, 5, t'étais déjà... Tu verras. C'est quoi le choix avec les tours?
C'était les tours ou quoi? Non, c'était ça, c'est 5 tours. Ok, on est prêt? C'était 5, 10. Je suis prêt, les gars. Allez, j'y vais. Les gars, c'était pas si simple que ça. Ah non, mais attends, ça compte pas, ça compte pas. 3. Faut que le front soit sur le bâton. Oui, quelqu'un d'autre le fait, j'ai déjà le tourni là. Donc quelqu'un d'autre le fait. Ah non, 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 j'ai déjà le tourni. Vous n'êtes plus docteur? J'ai déjà le tourni. Vas-y, t'as déjà fait un tour, t'en fais que 4. Non, mais j'ai déjà le tourni. Non, mais il va vomir. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il va vomir. Lucas Auchard, s'il vous plaît. Là, là. J'ai déjà le tourni. Ok, bah souffle un coup. Ok, putain. Respire, tu veux voir un peu le chat? Tu veux parler avec le chat? Ils font toujours tout pour que je sois avec nul au jeu. Ils font tout pour me rabaisser. En plus, la caméra te suit. Tout, tu veux mais pas, je suis pas insécure. Laisse arrêter de me suivre avec cette caméra. Tu veux même pas être tranquille quand tu boutes. Bon, ok. Donc, c'est le front sur le truc, c'est ça? Ouais, front sur le truc. Tout comme le chat t'encourage, mec. Okay. Je te jure, c'est fou de voir 65 000 personnes dire exactement la. Ah oui, il avait déjà le tourni en fait. Deux. C'est quoi ça? Il a bu des petits verres avant, hein. Trois. Ah, je me suis mis un coup dans le front, mec. Tu vois? Et qu'est-ce que je t'ai dit à partir de ça? Tu vas. Et cinq, j'ai très monsieur, peur pour le patient. C'est parti. Vite, le tour est parti. J'ai peur pour le patient. Squeezie. Pénalité ou pas sur la première? Il l'a mis contre une paroi, ce Gotaga. J'appuie sur le patient. Attention à vous. Oh, 10 secondes. 10 secondes en moins, monsieur. Une. Ah, tu commences directement par le cœur? Non, t'as raison. Non, hey, c'est dur de fou là! Tu savais faire ça? Il est bête. Attends. Tais-toi, toi. Ok, hop là, ça. Non, je sais pas faire. Excusez-moi, monsieur, je récupère le bâton. Pour l'instant, qu'une seule pénalité, c'est extraordinaire. Ah, ah! Deux pénalités, attention. Ce attention, patient client. En danger. Ce pauvre client. Normalement, la pince, c'est une main. C'est très. Non, non, il a. Non, non. Je fais ce que je veux, mec. C'est mon école et moi, appris comme ça. Vous avez tous les droits. Ah, 3, 4. Non, non, les gars, il y a le téléphone des studios de Douac qui sonne, confondez pas. Non, ça a rien à voir avec ça, les gars, pour de vrai. S'il vous plaît, en silencieux, les téléphones. Ok, en vrai, je m'en sors bien, ok, quand je vois Lucas à côté. Ça, il compte pour un ou pour deux, ça? Wouah! Mec, ça fait 7 pénalités, là! J'ai envie de le terminer, là. Il a pas fait le cœur encore. Non, non, mais quoi, il y a plus de pénalités que d'objets en... Mais non, lui... Allez, j'ai pas touché, là! Il a cassé la machine, là! C'est ce docteur. 8 pénalités. Je rappelle, pour que ça fasse bip, il faut que les deux parties en métal s'entrechoquent, viennent au contact l'une de l'autre. Le but du jeu, c'est de ne pas toucher les parois, Scream. Les gars, qui se rappelle quand tu as fait? Non, mais en vrai... C'est pour les enfants de 6 ans, ce sera trop facile. Moi je sauve mon patient, moi. Ah bah non, là tu le sauves pas. Quand tu touches les parois, tu le blesses. Voilà. En fait, la partie, l'objet lui peut toucher les blocs. Ça peut toucher, c'est pas grave, c'est pas du métal. Aucune délicatesse. Rien. Aucune finesse. Incroyable. Juste du son. Mais t'es un boucher, gros. C'est fini là. Top. Je crois qu'on a 9 pénalités, gros. Eh ben, c'est quoi, je les prends. Et je les mérite. On me dit qu'en régie, ils en ont compté 11. Oui, eh bien. Et franchement, ils sont gentils avec toi. Rendez-moi votre blouse. 11, ils sont vraiment gentils avec toi. On va arrondir à 10. On va arrondir à 10, on est sympa. 10 pénalités pour Squeezie. 10 fois 10 est égal. 100. Donc, on rajoute 100 secondes au compteur de Squeezie. Merci, Doug, pour ces petites questions. Alors, comment ça fait là? Bilan des courses. Au moins, ça te fait briller. Moi, je trouve que j'ai rayonné. T'as rayonné, hein, mais avec beaucoup de pénalités. Sans les pénalités, t'avais un meilleur score que Gotha. Sans les pénas. Avec les pénages, je suis pas sûr parce qu'on rajoute. Attends, c'est-à-dire que. Ah, on rajoute 3 à 28. Oui, il y a 1 minute 40 de pénalité. Pratiquement pareil. Monsieur Dwagby, on y va ou on garde le meilleur pour la fin? Je vous laisse la main, monsieur. Bon, donnez-lui le bâton et. Je vais la blouse. Je vais la remettre. Excusez-moi, monsieur. Effectivement, faut. Oui, rendez la blouse. J'ai une intervention à faire. Monsieur. Merci. Docteur. Appelez-moi docteur. Docteur Cringe. C'est un peu serré cette veste pour c'est quelqu'un. C'est le but. Docteur Cringe s'apprête à passer à l'action. Le patient est dans un très mauvais état. Docteur Cringe, vous êtes prêt? Docteur Cringe est prêt. Allez-y, Docteur Cringe. Musique classique, s'il vous plaît. Ah oui, parce que lui, il a toujours besoin d'un petit peu de Mozart. Avec moi? Musique classique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que font ces deux énergumènes dans mon opératoire? Il y a un mauvais bail. Sortez-les! Non. C'est bon. C'est bon. Hier, on a fait un tournage ensemble. Il fait des private jokes d'hier du tournage. On a le droit de rigoler. C'est ce qu'ils ont fait hier. Allez, allez-y, les gars. On n'a pas le droit de rigoler. Quand tu veux, Locke. Locke, c'est à toi de jouer. Tu peux savoir ou pas? Non. Allez, un tour. Deux tours. Trois tours. Et... Non. Tu fais un de plus. Cinq tours. Ok, on y va. Allez, on y va. Ça va aller. Allez-y. Allez. Allez.
Bravo. Sans problème. Sans encombre. Ah. Voilà. Wow. Il est chirurgical, hein, j'ai pas... Et oui, wow. Il y en a qui a fait ça toute sa vie. Oh. Eh, hey, pour l'instant, il se meurt, hein. Il se meurt. Ah. Ah. Oh, monsieur. Ah, je suis désolé, monsieur. Il est drôle. Il va quand même pas réussir si facilement. Une seule pénalité. Ah, et le stylo est retombé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, il a kékra, là. Mais attends, mais... 9, 10, 11. Il a plus rien à foutre. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pourquoi il fait ça? Excusez-moi, monsieur. Mais à quel moment c'est parti en coup? Allez, il en reste plus qu'un. Il est à 17. Plus qu'un. Mais t'avais si bien démarré. Mais pourquoi il y avait le crayon là-bas, là? C'est fini, stop, stop. Oh, 17 pénalités. C'était un record, mec. Pour le clear. Ah, monsieur, on va remettre tout dans les trucs. Ouais. Franchement, ça si vous voulez, je les remets moi. Non, non, t'inquiète. J'ai l'impression que vous les placez de manière extrêmement difficile à récupérer. J'aime bien mettre tout au centre, tu vois, vraiment accessible. T'inquiète. Hop, l'élastique, le truc le plus simple, de toute façon. Tu veux que je repasse ou c'est bon? Non, là, c'est bon. Okay. C'est bon. Merci, merci. Tout est bien. J'aime trop la tête de Gotha qui est en train de faire une bêtise. C'est vraiment cette tête de... Combien? Okay. Alors, 1,05, ça n'a pas pris en compte les pénalités, je suppose. Donc, il faut rajouter 17 fois 10 secondes. Comment ça, 17 fois? Ce qui fait 3 minutes 55. Wow. Vous n'avez pas honte, monsieur? Docteur? Vous avez touché 17 fois. Mais attends, mais à quel moment t'as vrillé? Faites mieux que moi. Pourquoi t'as vrillé? T'étais trop bien et d'un coup, t'as vrillé. T'étais trop fort, mec. Tu nous mettais une déculottée, vraiment. Osez me parler sous ce ton, bande d'insolents. Mais pourquoi il a... Qu'est-ce que tu fous, toi, espèce de malade? Je fais le buter. Mais c'est à moi de jouer. T'as vu, le sait que je fais le buter. Bon, Doug, commence à tourner. Hey, attends, vous avez quoi Allez, vas-y, Doug, attends. Vous voulez vous battre? Doug, c'est à toi, Doug, il est l'heure maintenant de te faire humilier. Ok. Allez, on y va, et c'est parti pour 5 tours sur toi-même. On y va, allez. Allez. Un tour. Deux. 3, 4, touche le sol! 5, oh, la vie! Allez, va là-bas! On lance le tournoi en régie! Bien joué, la régie qui réactive! C'est impossible, je penche à droite! Doigby, à toi de jouer! Allez, on y va! Je penche à droite! Et Doigby qui est très concentré, très focus! Vas-y, vous êtes des bastards d'avoir mis les trucs comme ça! On les a mis. Éloignez-vous! Ok, je suis moins drunk! Après, je vous avouerai quelque chose, chat, ça va beaucoup vous faire rire! Doigby qui continue, qui pour le moment a pas fait sonner! Hey, Doigby, attention, qui prend son temps! Il prend son temps, mais s'il a pas de sonnerie, au final il va gagner, même s'il a mis plus longtemps en soi! Ouh, et ça tremble! Ça tremble, mais pourtant ça sonne pas! Une sonnerie! Celui qui a placé les pièces, c'est un chien, il les met au bord! Ah, c'est la régie, hein, tu connais! Hein. C'est la régie, c'est pas nous! Une sonnerie, deux sonneries, trois sonneries. Ah vas-y, bon, celle-là peut compter pour deux. Elle peut compter nous, quatre sonneries, il exagère. L'élastique, la chose la plus simple à enlever. Oui, c'est fait. C'est le seul d'avoir passé autant de temps dessus. 5. Non mais vous êtes des bâtards de coller les pièces. Et on est toujours sur 4 ou 5 sonneries, je sais plus, mais en régie, ils suivent, je le sais, bien mieux que moi. Il n'y arrive pas. Probablement 5. Et Dwagby qui va peut-être nous battre. Il lui reste deux pièces, dont l'une... Et une sonnerie de plus en régie. Il lui reste cette pièce là qui a été mise en biais par la régie. Une sonnerie en plus. Encore une sonnerie. 4 sonneries d'un coup. 4 sonneries d'un coup. Pour même pas récupérer 5, la pièce. 5, 6 sonneries en plus. Wouah. Ça elle est facile. Dépêchez-vous, monsieur. Allez, le pas est en train de mourir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça compte pour plus de sonneries, non? 7. 7. Et la voiture. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. Voilà. On peut quand même applaudir Dwagby. Je comprends pas, pourtant c'était pareil pour tout le monde. Non, quoi. Vous avez vraiment abusé sur le placement des pièces. Alors les gars, je vous explique ce qui s'est passé. Quand Gotha a... Attendez, j'attends le temps de Dwag et après j'explique un peu les coulisses. Ah, c'est pour ça, ouais. Toi, t'es vraiment... Il faut qu'il repasse sur chaque pièce, Gotha, là. Il vérifie tout. Attendez, attendons 4 minutes 37 pour Dwagby. Mais attends, ça veut dire que... Est-ce qu'on peut avoir un récap du classement du coup en régie? Qui est du coup est premier? Qui est deuxième? Bizarrement, je crois que le placeur de pièces est bien placé. Il y avait 4 points pour celui qui faisait le moins de temps, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 1 point pour le dernier. Mais qui a fait le plus bas score? On va le savoir dans un instant. Qui remporte déjà la première épreuve et domine ce soir? Alors, avant qu'on ait les réponses, laissez-moi vous dire... Ah,
Eh ben on le sait, ça y est, c'est Gotha qui a gagné. Ah là 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 là, merci. Putain, c'est vrai que c'était dur la pression. Bizarrement, c'est dans l'ordre de passage, comme si à chaque fois vous handicapiez de mieux en mieux le personnage suivant. Ouais, on doit avoir une explication. Attends, moi je vous explique, Écoutez, j'ai commencé. Non, c'est Squeezie, mais oui. Non, c'est lui qui a commencé. J'ai commencé, etc. J'ai fait mon temps. Il y avait une pièce qui était horrible. Celle du cœur était plate. Je me suis dit, si je la remets exactement pareil, du coup pour le prochain, c'est bien. Puis après, j'ai replacé les autres. Le crayon, je l'ai poussé un peu plus. Ça, je l'ai mis un peu plus sur le côté. Il y a même une pièce que j'ai mis à l'envers. Et après, je dis rien, il fait son temps, machin, etc. Il vient me voir, il fait Prologue, j'ai mis les pièces de ouf. Et je lui ai dit, moi aussi pour toi. C'est quand même... Là, dès qu'il a compris. On a eu la même idée de sabotage. Et du coup, toi, t'as vraiment eu celle-là à l'envers. Ouais, la plus dure, il l'a eu à l'envers. Ça, c'était abusé. Ah, c'est celle-là qui m'a fait rire. Mais moi aussi, c'est pour ça que t'as fait 11 bips là ici. Putain, mais bon, les saboteurs. En tout cas, après cette épreuve équilibrée, sans faire play avant tout, on a peut-être une petite surprise. Mais non. Oui. Dans ton oreillette. C'est il y a un gros blanc, j'entends quelqu'un parler dans ton oreillette, on a entendu. À ce qui paraît, il y a quelqu'un qui t'appelle. Ah, ok, alors j'y vais. Non, mais en tout cas, c'était cool. Hein. Dans le faire plus avant tout, dans machin. C'est le moment de faire de la promotion de live. Je crois. Oh, ah oui, les gars, c'est mon anniversaire. Allez vous abonner à ma chaîne, twitch.tv/gotaga. C'est le septembre. Moins cher. Twitch.tv/locklear, twitch.tv/dogby. C'est vraiment meilleur, les trois chaînes, que la chaîne que vous regardez actuellement. Donc n'hésitez pas, foncez. Et de toute façon, nous, on joue qu'avec ce mec juste parce que justement. Bah, c'est pour ces moments-là. Voilà. C'est vraiment les moments. Ces moments-là, on a attendu depuis des années pour pouvoir. J'ai prévu des bandeaux pour nos chaînes, si vous voulez. Si je ne m'abuse, c'est aussi le septembre. C'est quoi le septembre? C'est 30% en moins sur si vous vous abonnez 6 mois et 20% si vous vous abonnez pour la première fois. Exactement. Mais ne le faites pas sur cette chaîne. Allez sur les chaînes que je vous ai dit au préalable. Mesdames et messieurs, twitch.tv/dwagby, twitch.tv/gotaga, twitch.tv/locklear. Cliquez fort, mesdames et messieurs. On compte sur vous. Un sub, deux sub, trois sub, soyez fort. On compte sur vous. Voilà, nous on est là pour ça. C'est ce qu'on appelle le business dans le milieu. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Gotha! 29 ans! Joyeux anniversaire! C'est réuni pour ce cadeau, pour ce souvenir mémorable. On a tous les trois donné de notre temps, de notre énergie, de nos talents pour que tu puisses vivre cet instant. Je vais même te laisser le vivre avec le chat parce qu'ils sont plus de 60 000 actuellement à te regarder. Voilà, le chat qui te dit aussi joyeux anniversaire. C'était un petit mot pour le chat. Merci avant. Le chat, merci beaucoup le chat. J'en ai reçu toute la journée des messages, donc un grand merci à tout le monde. Ça me fait chaud au cœur. C'est la dernière année, comme j'ai dit sur Twitter, où je suis dans la vingtaine. Après, je rejoindrai l'autre vieux là-bas. Voilà. Ouais, je parlais de toi. T'as quel âge, toi ? Toujours 20 ans dans le cœur. Attends, c'est vrai ? Mais ouais, physiquement, en termes de cellules. 91, j'ai 30. Frérot. Oh, bordel, vous deux, en fait. On a la trentaine, majeur. On y est, on est passé de l'autre côté. Ouais. Non, mais voilà, donc un grand merci à tout le monde. Et puis. C'est vraiment son anniv aujourd'hui, parce que je sais qu'on fait des blagues des fois. Ah ouais, c'est vraiment l'anniv de Gotaga. Et je n'aime pas tout ce genre de situation-là, comme ça, où ça chante, ça machin, etc. Allez, ouvre-le. On a voulu faire quelque chose de personnalisé qui te ressemble. Vraiment, ça nous tenait à cœur. Pour une fois. En fait, tu me regardes. C'est pas un troll. Oh, voilà. Pour une fois, c'est pas ouf que les gens voient. Pour une fois, c'est pas un troll. À votre avis, il bluffe pas. Voilà le gâteau personnalisé du Friends Monster. Il est beau. Mémorable. Je pensais que c'était un troll quand j'allais ouvrir. Je suis agréablement surpris. Pour une fois, on t'a fait un vrai truc. Non, tu peux l'aider à retirer la boîte. Faut qu'on le montre en entier, il faut prendre une photo avec. Bien sûr. J'enlève le scotch pour ouvrir proprement. Parce que le garçon, je pense qu'on s'en fout. Alors, sachez que Louis a envoyé une maquette en guise d'exemple. Il est super long. Et ils ont copié la maquette de Louis à la ligne près. C'est donc le Cheetos qui a designé le gâteau. C'est incroyable. Voilà, extraordinaire. De toute façon, après, il y a le. Il est vraiment. Mettre côté des jambes, peut-être. Tourne. Ouais, voilà, exactement. Et les amis, on a pas de bougie, les gars, venez, faut rechanter. On a un photographe et tout. Attendez, on n'a pas de bougie. La caméra, elle est là. On n'a pas de bougie, on a une Yankee Candle, donc tu vas souffler une Yankee Candle. Oh. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Attends, je vais faire un vœu. Joyeux anniversaire, qui ça? Gotaga le French Monster. C'est pas bientôt 30 ans, c'est fini. Joyeux anniversaire. Bientôt les cheveux blancs.
voilà cette bougie. Il est bon en tout cas le gâteau. Non mais il est magnifique. La bougie bien, est dégueulasse par contre. Non mais il y en a pas. Comment tu peux investir sur ça et pas prendre juste frérot, une bougie. Attends, on n'avait pas de bougie. Attends, voilà. Attends. Évite de te plaindre, s'il te plaît. Ouais, 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 ouais. Même le logo est tellement bien fait. Non, le logo est incroyablement. En fait, j'ai peur de. Va falloir le gâteau. Va falloir le gâteau. On va le manger ici. Il y a toute une équipe technique. En plus, on va se manger ça. Et vous savez quoi? À la fin de ces Olympiades, le gagnant remporte le gâteau de Gotaga. Oh non, tu peux pas lui faire ça. Tu m'offres le truc. Je suis désolé. Le gâteau de Gotaga est remporté. Mec, il a pas le gagnant. Encore mieux, encore mieux. On va faire une roue. Et le dernier repas, il n'aura pas de gâteau. Bon, on est donc sur 4 points pour Gotha, 3 points. Attends, prends-le dans les mains et on fait une vraie photo, un vrai souvenir. Alors. Vas-y, vas-y, on fait un vrai souvenir. 3 secondes. Vas-y. On va pas le prendre lui, c'est son anniversaire à lui. Pas de gaffe, pas de gaffe. Non, non, toi tu vas le faire tomber, tu vas le faire tomber. Mais pourquoi c'est cette réputation ? Mets-toi au milieu avec Squeezie. Vas-y, vas-y. Les deux grands sur les deux côtés, sur les extérieurs. Comment tu m'as poussé ? On regarde où ? Le photographe. Faire une photo en live, j'avais jamais fait ça. C'est, je pense que c'est top 3 cringe. Non, c'est pas cringe. Ah ouais? C'est ce que tu fais dans les lives IRL. Ok. On est bon. Super. C'est validé. Magnifique. On la prend pour celle-là. Merci, Tiat. On fait quoi? On le mange? Mais pas tout de suite. On le remet au frais. On va l'amener là-bas, ils vont nous faire des parts et on va pouvoir manger après. Tranquillou, quand on sera en débris. Exactement. Parfait. On retourne là-bas du coup. On le remet au frais, on respecte la chaîne du froid, c'est important. Et très beau gâteau. C'est mon téléphone. Non, et d'ailleurs, si vous voulez faire plaisir à Gotha, c'est le September. Alors, n'hésitez pas à sub en masse. Ça va faire ça fera plaisir. Ouais, t'inquiète, on l'a fait. On a dit que ça va ta chaîne et tout. En plus, vous voulez faire gagner du temps. Sur ta chaîne, Gotha sera content pour son anniversaire, September, tout ça. C'est ce qu'on a dit. Moi, après, de toute façon, vous croyez toujours que je veux ramener l'attention sur moi ou essayer de gratter des. Non, mais on leur a dit pendant que tu étais parti là-bas. Ok, non, mais je sais pas que je suis. Bah, tu sais quoi, voilà, je repère une tension, donc voilà. Ok, c'est reparti, t'as une question. Ok. Tu détectes une tension là? Tu détectes une tension, je vous le dis. C'est son anniversaire et tu détectes déjà une tension. Ouais. Gotaga. Ouais. As-tu. Apprécié cette surprise qu'on t'a faite pour ton anniversaire? Réponds sincèrement. En vrai, ouais. Oui, beaucoup. On a réussi notre mission, ça fait c'est plaisir. Vrai. T'imagines? Gotaga, viens-tu de mentir? Bah non, c'est le but du truc. Non. Mais c'est le but du détecteur de. Laisse-moi, j'ai une technique. Non, ça se trouve, c'est une technique. Ouais. Il a menti, ça veut dire. Non, bah non. Il a dit non. Viens-tu de mentir? Oui. Il a dit non. Et ça a dit. C'est vrai qu'il a dit non. Non. Bah si. Du coup, viens-tu de mentir? Non. Et c'est bon. Et lui, il a fait ch'ting. Donc okay. C'est vrai qu'il a menti. Il a vrai que non, c'est vrai que son nom est un bon nom. Voilà. Donc son nom, c'est un oui en fait, son nom. Donc son nom est un oui qui fait qu'il a pas menti. Non. Parce que vu que t'as dit non ou oui à la place du oui. Bogby, quel est le prochain jeu? Vous le savez, on s'est affronté là, un peu chacun notre tour, mais pas face à face. Il y avait pas vraiment de rivalité. C'était plus nous contre le chronomètre. Et voilà. Toujours. Cette fois-ci, on sera face à face. On va se taper sur la gueule, c'est ça. Et je trouve que vous êtes tous très athlétiques. En même temps, je sais qu'il y a certains talents ici, raquettes en main. Je vous propose une tournante de ping-pong. Oh, pas manqué de rire, pas manqué de. Une tournante de ping-pong. J'ai une anecdote à raconter. Oui. Non, pas celle que tu penses. Mais non, mais je pense. Après chaque live de Gotha qu'on fait dans les bureaux de Gotha, on finit toujours par faire du ping-pong au moment où on doit partir. Ça nous prend toujours une heure de plus. Et on kiffe s'affronter au ping-pong. Et d'ailleurs, ce rituel n'a pas été respecté lundi pour notre première de l'année. Donc je suis content qu'on se rattrape aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on avait un tournage hier où on devait partir dans un autre pays à 7h du matin. Et déjà on a tourné jusqu'à 2h. On est rentré tard et du coup on est resté jusqu'à 2-3 heures au locaux. Donc je savais qu'on allait faire une heure de plus. Je savais que je me lèverais pas le lendemain. Tu donc, savais surtout que t'allais dormir le point serré. J'étais quelqu'un de parce responsable. Parce que comme à mon habitude, j'ai gagné la j'allais dernière fois. Gagner. C'est tout qui a gagné? Qui a gagné la dernière fois? Moi. T'as gagné? Lucas. C'est très bien ça. Est-ce que la dernière fois qu'on a joué au ping-pong, tu m'as battu? Oui, comme à chaque fois. Alors là, moi je sais ce qui va se passer. Quoi? Quoi? Oh là là, est-ce que tu serais en train de mentir? C'est une supercherie ce truc là. Tu sais, Gotaga le menteur pour ton anniversaire. La dernière fois, j'ai battu Lucas. Tu m'as dit que même la CIA utilisait ça. Carrément, tu t'auto-testes. Il vient de dire la dernière fois, j'ai battu Lucas. Oh, et voilà. Oh. Et non, c'est mort. Oh. C'est mort. C'est pas grave, Gotha. Ça se trouve, il nous ment même sur son âge. On peut pas être fort partout. On peut pas être fort. Il nous ment même sur son âge. Oh! Vas-y, pose-lui la question. Gotaga, quel est le vrai âge que tu viens d'avoir? Est-ce 29 ans? 21 ans.
Oui, 21 oui. ans. Non, non. Non, non, annulation. Il a menti. Gotaga, as-tu menti sur ton âge ce soir? As-tu en réalité un autre âge que 29 ans? On est là? Oui. Quoi? Oh, attends, quoi? J'adore comment ils sont. Oh! Ah bah non, tu n'as pas menti. Doute, non, 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 il est mitigé. Elle sait pas. Gotaga. Elle sait pas parce que j'ai la mentalité de quelqu'un de plus. Gotaga, as-tu eu 29 ans ce soir? Oui ou merde? Oui, j'ai bel et bien eu 29 ans officiellement ce soir. C'est trop long là. Ça me rassure. Non, mais j'ai eu peur de pas connaître mon ami. Ouais, mais officiellement j'ai 29 ans. J'ai cru que j'allais mentir. Ah ouais, non, non, là. J'ai eu très très peur. Hein. Ah, j'ai cru que j'allais retirer mon son. Mais du coup, le format de la tournante, c'est très simple. On fait une tournante classique, élimination directe. Par contre, la finale en combien de points? Parce que je trouve ça stylé. Imaginons Gotha et Squeezie arrivent en finale. Est-ce qu'on le fait en 5? C'est en que 11 one shot, on fait juste une fois une tournante. Après, on peut faire deux games. J'ai envie d'en on peut faire deux games. Donc, le gagnant de la première tournante a une vie. C'est pas dangereux la tournante? Tu sais, tu te prends les genoux dans la table. Non, faut que tu cours à l'écart. Si, j'en ai fait tout le temps. J'étais en pension, moi, frérot. Bah, c'est bon, alors. Moi, baby-foot et ping-pong, je vous explose tous. Oh, merde. Genre, moi, j'étais en... Eh, les gars, les enfants gâtés, moi, j'étais en pension. Oh. Les enfants gâtés. Pourquoi les enfants gâtés? Penses-tu sincèrement nous exploser au ping-pong ce soir? Absolument. Moi, je pense vraiment pas. Sans aucun doute. Ouais. Tu peux lui poser une question s'il a vraiment été en pension, j'ai l'impression que c'est faux. Locklear, t'as vendu une vie en disant que tu es allé en pension. Pour te donner un vécu. Non. Ok, moi je pense qu'il ment. Ouais, voilà. Wow. Non, mais c'est bien ce que je pensais. Ce monsieur mais n'a pas de vécu. En fait, vous mentez tout le temps. Ce monsieur n'a pas de vécu. Ok, donc on en fait une et on voit si on enchaîne. Si ouais. Si... Okay. Et du coup, le gagnant aura potentiellement une vie pour la suivante. Mais bah, faut respecter la règle. Alors, viens, on fait... Mais non, c'est pas comme ça. Non, en fait, faut qu'on commence tous avec une vie. C'est ouf. Comme ça, au cas où il y a une balle bizarre que normalement tu renvoies ou quoi que ce soit, il y a moins d'RNG et du coup chacun a une vie et peut l'utiliser. Donc tout le monde a une vie de base ? Ouais. Et il n'y a qu'un match, qu'une tournante. Qu'une tournante, du coup. Et en combien de points la finale ? En 5 ou en 11 ? Est-ce qu'on s'installe un vrai match ? C'est en 5 une tournante. On peut se faire. Tu vois, imaginons, c'est vous deux. Bah, et sinon, on fait en 5 et on en fait une deuxième. Non, sinon, regarde, j'ai peut-être une autre idée. On fait une tournante Battle Royale. C'est le but d'une tournante. La base d'une tournante, c'est une tournante. Attends, mais le Battle Royale existe du coup depuis longtemps. Ils se sont inspirés de la... Clairement, ouais, mais c'est clairement le Battle Royale du Non, vraiment, c'est incroyable. C'est vrai qu'une tournante, regarde, c'est une Battle Royale. Regarde, on a tous 5 vies ou 3 vies au départ, okay, et à la fin, il n'y a pas de match, c'est juste une seule balle, tu vois. Moi, je trouvais ça bien. Et celui à qui il reste des vies, il peut dire... Ah bah, on vous entend toujours vous vanter de vos talents au ping-pong. Moi, je trouve ça trop bien. Ah non, moi jamais, je suis nul à chier, mais je l'ai déjà battu. Menteur. Il y a un match, tu vois. Bon, allez. En 5 points, en France. Allez, c'est parti. Allez. Ping-pong, hop, une déculottée. Je rappelle qu'en termes de score, elle moi je dois me rattraper. Je la prends. T'as vu ce qu'il vient de dire? Il vient de dire celle-là, elle a l'air mieux, je la prends. Elles sont toutes neuves. Ouh ouais. Ah ouais, mais moi j'aime pas jouer avec du neuf, excuse-moi. Ah, c'est pour ça. Tu veux un peu la bosser? Tu veux qu'elle ait du vécu? Attendez, parce que là, il y a un vrai champion. Tu touches pas le sol? Waouh. Tu touches le sol, montre-nous, toi. Bah, bien sûr. Vas-y. J'ai une vie en plus, si j'arrive. On a une vie ou deux vies? Les gars, faut qu'on se mette d'accord. Putain, t'es chaud. Oh. Je sais pas si j'arrive. Moi, évidemment que j'arrive, je te bluffe pour flatter ton ego. Allez, on y va, il est déstabilisé. Une vie ou deux vies? Ah, trop bien, merci. Pourquoi c'est lui qui sert? Bah, c'est son stream. Mais calme-toi, c'est son anniversaire. Mais je récupère les balles. C'est vrai que ce soir, tu peux tout demander. Hein. On a combien de vies du coup? Une ou deux, comme vous voulez, ou même pas trois. D'échauffement. Deux vies chacun. Mais calmez-vous. Allez hop, une vie à moi. Allez, une vie à moi. Calmez-vous, gars. C'est mon anniversaire, je décide quand ça commence. Les règles n'ont pas encore été établies. Il utilise la carte. Il a le droit, il a utilisé qu'une seule fois sa carte ce soir de l'anniversaire. C'est terminé. Ah, je pense qu'il aurait utilisé sur la balle. Tu l'as cramé. Bah non, pas sur la balle. Si, tu viens de brûler ta carte d'anniversaire. Deux vies chacun. Deux vies chacun. Deux vies chacun. On y va. Tout le monde est bien installé au niveau pantalon? Oui. Quoi? Quand tu vas bien tout, j'ai dû vérifier. Parce qu'on va tourner, frérot, va falloir courir là. Et alors? Bah, t'as pas le temps de remonter ton pantalon que t'as ce genre de problème comme moi. Donc je passe ma ceinture en. Ah, en format tryhard. En format tryhard. J'en tryhard, moi. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Allez, on y va. Deux vies chacun. Deux vies chacun. Et c'est pour les points en compteur, hein, t'es mort. Voilà. Tu l'utilises ou pas? Bah oui, il l'utilise. Vas-y, du coup, c'est à toi de servir. Si tu l'utilises, c'est à toi de servir. C'est toi qui sers, retourne là-bas. Donne-moi ça. Retourne là-bas. Moi, les gars, j'ai été en pension. En pension. Attends, j'ai pas fait une balle depuis longtemps. T'as jamais été en pension? Moi, j'ai été en pension. Tu t'inventes un métier, mec. Tu t'inventes une vie, mec. Ça, c'est pas un serveur de mec de pension. T'es chez papa, là, bien au chaud, tranquille. Oh, hein? Et tu veux faire genre que t'as du vécu? On t'a cramé. À tes propres amis? Donne-moi ça. Aucun vécu. Non, mais c'est fini. Non, il avait ses deux vies, il a plus de vie, là. Non, il avait pas de vie.
J'ai failli glisser les frères. J'ai vraiment failli glisser. C'était là, c'était dit. Là, je n'appelle à la santé. Je t'ai dit, c'est dangereux. Par contre, pause. On a un deuxième service, c'est comme Lock si jamais. J'ai vraiment failli. Ok, donc là, non, il reste. Sinon, t'étais mort. Il m'a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau. Il n'y a pas de vie, il n'y en a qu'une. Non, on a dit deux. C'est son cadeau. Là, il n'y a plus de vie. Il m'a fait un cadeau. On a dit deux vies. Là, il a utilisé ses deux vies. Ah, donc il n'y a pas d'autre partie après. Non. Non. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux? Quoi? J'utilise, il me reste une vie. Yes! Eh, c'est pas si facile, hein! Doucement. Allez, dégage de là, toi! Éliminé! Il est mort là-bas, ça doit te servir. Chien, mec! Oh le bâtard! Oh, elle est nulle! Allez, viens me rejoindre! Oh, mais je suis mort! Comment t'as fait? Oh, je suis mort! Oh putain, j'ai envie de mourir! Oh, je suis mort, il a voulu me couper! C'est pour ça, quand il arrête pas de dire qu'il me bat, machin, etc. Il est éclaté. Vous avez vu vraiment son niveau là? Tu fais quoi? Il reste une vie! T'as plus rien! Ah, attends, il nous reste une vie, je crois! On avait tous trois vies! On avait trois vies! Non, on avait pas trois vies! Ok, bah vire les, s'il te plaît! Je peux virer lui, mais. Moi, je m'occupe de lui, c'est pas un problème. Je suis désolé. Mais en vrai, les canapés sont pas mal. On lance un vote dans le chat! Non. Combien de vies attends, nous c'est là-bas, le chat est là-bas. Deux ou trois. Allez, viens, on va voir. Deux ou trois vies. On va aller voir les autres. Regarde la tablette, on va aller voir les autres. Allez, viens, on va voir les quoi, nous, maintenant. On a nos deux vies. 5 points, quoi. Sans utiliser de vie, quoi. Bah, c'est pour les puntos, là, c'est pour 4 ou 3 points. Normalement, il est mort là, mais vas-y, ok. C'est vrai, t'as raison. Non, mais balle de 3. C'est quoi, balle de 3, comme ça va permettre de nous échauffer un petit peu. Oh, ça me fait plaisir en tout cas de te retrouver en finale. Pareil, mec, joyeux anniversaire encore. 29 ans, ça va, pas trop la pression. Allez, dépêchez-vous là. Allez, tu vas voir, à partir de 30 ans, tu vas commencer à te poser plein de questions, tu vas refaire un peu le bilan. Oh, t'inquiète. Ok. Bon, en tout cas, on a réussi à sortir mec de pension et le mec professionnel de. Ah, le mec de pension là. La balle de 3. Ah, ça parle plus là. Bâtard. 2-0. Putain, il a toujours pas compris qu'il y avait une balle de 3. Ah, tu sais, il était en pension. Oh, il était propre celui-là. Merci, un partout. Je joue défense, ça te dérange pas? Tu peux. Je t'ai vu jouer défense contre je sais plus qui là au loco, c'était pas super bien. Ouais, ça marche pas de fou, mais j'avais des bons souvenirs quand j'étais petit. T'es essoufflé? Oh, le contre-revers! Ah, ça marche une fois, pas deux. Hein. Oh quoi, elle était bonne! Oh, j'ai louché, bien joué. Bien joué à tous, allez, on retourne sur le plateau directement, c'est là-bas. Putain, c'est gênant, c'est un espèce de outplay qu'on fait sur la chaîne de Lucas, et ouais, le résultat, on fait d'avance, quoi, c'est terrible. Ah, ça va les mecs éclatés? Ah. Ça va les mecs KO? Tu sais que j'ai fait un peu de pension quand j'étais jeune? Je pense qu'ils vont plus parler là. Je sais pas frérot. Bon. Mais ils étaient peut-être pas au courant qu'on avait une table de ping-pong le lundi aussi. Ah bah ouais, nous aussi on joue hein. Je sais pas. Moi j'ai pas été en pension pourtant. Ah ouais? Bah non. Je suis pas bien sorti pour un mec qui a pas été en pension. Bah toi aussi mec, hein, franchement. Putain. Ah, mais non, mais non, non. Allez, on y va. On la remonte un peu là, on la remonte quand. Mais. Qu'est-ce qu'il veut? Allez, on y va. Il y a plus de jeu là, il y a plus dans la. Mais. Le chat, vous validez ça là, c'est en train de produire. Okay. Attends, on va refaire une tournante, tu sais comment là? Oh, entraîne-toi, on va les filmer. Entraîne-toi. Les gars, on en fait une? Vas-y, je suis chaud. Allez, venez. Ça, bon. Vous allez jouer sans nous. Comptons quand même les points. Ouais. Putain, comptons quand même les points de ce qui vient de se passer en régie. Où donc Gotha premier, ouais. Doak deuxième, moi troisième, Locke quatrième. Ok. On en fait une? Chaud. Deux secondes, je fais mes lacets, excusez-moi. Parce que... Combien de vies cette fois? Du coup, avec Doc, on garde nos devis vu qu'on les a pas utilisés ou. Ah ouais, les vies cumulatives. Ah, excusez-moi, on garde nos devis ou on doit les reset? Ah non, c'est reset, c'est reset. Ah bah évidemment, oui. Du coup, on doit se resserrer la main comme si on s'était jamais vu. Et maintenant, j'ajoute un truc, celui qui fait une balle haute, il perd une vie directe. Normal. Volontaire. Ouais, normal. Je suis assez d'accord avec ça, pas de normal, c'est anti-jeu, c'est des pas de team-up. Tu veux servir en premier? Non, vas-y. Sûr? Ouais, fais-moi une balle haute. Devis. Non, je te fais une balle normale. C'est une balle normale, toi aussi. Tranquille, Gotha, chill, merde ma gueule. Attends, ouais, ouais, attends, tu le mets. Voilà, vous voyez comment on a bien fait d'affaire. J'étais obligé. Ah, une balle de pute. Là, il y a du level, tiens, c'est la honte. Gros naze. Les gars, moi j'ai okay, encore plus qu'une vie. Oh, bien wesh. C'était quoi ça, ouais. Doc? J'ai fait la flemme de courir, gros. Ok, j'ai plus qu'une vie. J'ai une vie.
Oui, merci Sagota. Quentin Pucelli. Pourquoi t'as un sourire de dingue à chaque fois? J'ai pas un sourire spécial. Je vais tuer Squeezie, en faisant ça. Voilà. Je regardais la cam, frérot, putain. Et voilà. T'as combien de vie? Une vie, on a tous une vie. Et toi, t'es vraiment à zéro maintenant. Tranquille. Allez. Fais pas un service de ouf, s'il te plaît. Bah ouais, ok. Fais normal, fais normal. Fais pas un service de fou, ça, tu m'as ou je rêve? Ok, j'ai plus de vie. Arrête, j'ai plus de vie. Ça arrive, le démon arrive. Tu rentres en là-bas, ouais. Le démon arrive. C'était pas une volonté. Ah. C'était pas une volonté. Ah. J'étais en défense. Ah, merde. Éliminé. Ah, ah. T'as plus de vie non plus. Oh. Il reste qu'une vie à Quentin, on a tout sur l'écran. C'est très serré. Oh, elle est pas bonne. Stop. Si, elle est bonne. Mais là, elle a rebondi là. T'es mort. C'est interdit. C'est vrai que c'était croisé. Elle a rebondi là, gros, il y a la trace. Ma vie, elle est pas bonne. Soit on tient à refaire, si on est sympa, normalement, il est éliminé. C'est quoi ce tricheur? Mais allez, on refait. Du mauvais côté. Il voulait pas courir. Oui. Non, la balle, elle arrivait bien. Doucement, gros, t'es un bâtard! C'est ça! C'est toi qui sers vu qu'il est mort là. J'ai pas envie de courir, oui. Bien joué. Locklear, on va l'avoir notre match. Mon frère, on va l'avoir. Allez, Gotha! Allez, Gotha! Ça chauffe! Allez, viens, excusez, viens. Viens, on est bien ici. Fais quoi là? Mais quel idiot lui! Tu veux servir? Ouais, c'est un idiot. Ou c'est balle d'échange ou c'est ça compte là? Ok, ça va te compter. J'ai gagné! Est-ce qu'il a fait un pensionnat? Est-ce qu'il est vraiment allé en pensionnat? Regardez, il révèle son niveau! Regardez. Du coup. Ouais. Ok. Hey, il a pas le droit! Si. Il a fait tung tung! Mais on revient, j'ai le droit. Putain, ma pension! Ma pension! Pourquoi c'est toi qui sers? Bah, chacun son tour. Tricheur. Et voilà! Le mec de la pension, hein. Tiens. Non, mais attends, frérot, tu lui as offert plein de points là! Il joue tous les jours, c'est bon! Trop nul. Tu lui as offert plein de points là! C'est bon là, il joue tous les jours! Putain, parce que tu m'avais pas smashé, je l'aurais battu, je le bats tous les jours lui! T'as combien de points toi sur le ping-pong pour un mec qui me bat tout le temps? Moi, 1v1 par contre, je te bats et je suis prêt à parier. Tu sais comment? Je suis prêt à parier 500 subs tout de suite que je te bats. Allez, s'il te plaît! 500 subs! Quoi? En combien de points? En 11, un vrai match! La tête de mer que vas-y, mon gars! Si! Mettez la tête de Gotha. Mettez bien la tête de Gotha. Gotha, s'il te plaît, je suis pas. 500 subs, on y va. Pas besoin, ça compte pas dans les points. 500 subs. Non, mais j'aime pas accuser les gens. Bon, c'est pas, c'est fini, c'est tant pis. 500 subs. Après, on doit laisser. Mec, s'il te plaît, prends-le, s'il te plaît, gros. Le chat, attends, prends le temps de lire le chat. Je te jure que tu le fumes. Mec, tu refuses un défi? Je pense que chez toi, au studio, tu refuses un défi? Tu refuses un défi? En live, tu le fumes, gros. Il est trop nul en live. Tu refuses un défi? Il est trop nul. Je te jure, tu le fumes. Il me connaît trop, en fait. Mais non, toi, t'es l'un de aucun problème, mais on se connaît trop. Non. On se connaît trop, j'ai pas envie de lui offrir 500 subs. Je l'avoue, je suis faible, il va me battre, je le sais. Il a dit 500 subs. Je paye la moitié des 500 subs. Je paye la moitié. Non, j'ai pas envie en plus que qu'il te raquette. Attends, bon, bah voilà, les gars, j'explique. J'ai un style de jeu et en fait, effectivement, on se connaît par cœur. Sauf que du coup, en se connaissant, et je sais qu'il va gagner. Okay. Il a de grandes chances de gagner. Donc, il s'avoue vaincu en plein. Voilà, messieurs. Ouais. Bravo. Et voilà, merci. Ah ouais, merci pour les années. Hein, ça te merci, change, merci. Hein. Oui, c'est plus comme à l'époque. Ah, avant, mec, ça y est, c'est 29 ans. Ça y est, c'est plus comme à l'époque. 29 ans, ça y est. C'est première chose que tu fais pendant les 29 ans. T'abandonnes un défi. Non, mais en tout cas, pour l'instant, il y a eu combien de jeux? 3. Mais je suis vraiment. Moi, je suis bon que en 1v1. Je suis pas bon en contre la montre, contre 3 gars, je suis nul. Mais 1v1, là, je me révèle. Ouais, j'ai l'impression que tu viens de gagner contre Gotaga, ça fait quoi? Bah écoute, je me sens assez bien, mais en même temps, c'est plus le joueur que c'était dans le passé. Hein. Ah, 29 ans, ça fait beaucoup quand même. Et maintenant, vieilli, pour les réflexes. Il vieillit, alors il accepte plus les 1v1. Ouais, bon, ouais. C'est pas bientôt grave. Bientôt les cheveux blancs, peut-être. Il joue trop. Fresh Panther, c'est plus ce que c'était. Je joue jamais. Yoni qui joue ça sur le chat. GG Squeezie, purée, j'aurais jamais douté de toi. Choqué et déçu. MDR, Gotha, mauvais perdant, mais il a même pas perdu. Excusez-moi, je recompte les jeux. Il est mauvais. Il y a combien de jeux aujourd'hui? Il a forfait, mec. Il y en a eu 3. Il y a eu Docteur Maboul. Docteur Maboul, ouais, j'ai gagné. Il y a eu une tournante ping-pong. Une première, ouais, j'ai gagné. Regardez. Deuxième tournante ping-pong. Ok, j'ai gagné. Eh, les gars, il y a un récap des points. Gotha, premier. Lock, 3. Doig, 4. Et moi, deuxième. Et c'est très serré entre nous 3. Tout va se jouer. Hein? Gotha qui s'envole, les gars, faut le calmer. Bah, il a fait 3 fois premier. Ouais, Gotha qui s'envole. Tu me laissais gagner là, j'aurais pu. Non mais les gars, vous pensez vraiment que le jour de mon anniversaire, j'ai envie d'offrir potentiellement 500 subs? Mais tu vas les gagner. Y'a que toi qui crois pour pourquoi toi. Parce que je connais les gars son niveau. Combien il te met d'habitude? Il va rentrer dans la zone. Non, c'est des matchs close, mais il est meilleur. Mais là, il est en live. Je l'avoue publiquement. Je suis en live, j'ai pas. Il y a bien un moment, quoi, j'ai beaucoup d'ego, mais je sais que là, il est meilleur dans l'instant T. Tu me déçois, Gotha. Vas-y, ok, on va jouer. Let's go. Plus la table, dommage.
Oh, le calculateur. Oh, c'est encore pire. Waouh. Bah non, mais le truc, il est plus près. Non, mais je vois qu'elle donnait des faux espoirs aux gens, leur faire des petits ascenseurs. Bah malheureusement, la régie a déjà changé le truc. Non, on peut retirer la table et mettre le ping-pong. Ça prendrait entre 10 et 15 secondes. Ici, moins de 30 secondes. Ah, on fait le test, Gotha ? Non, non, mais je connais les gens. Je sais que lui, par exemple, il est parti à l'hosto ce matin. Il avait mal au dos et lui demander de. Donc, Dogby, tu fais bosser des gens qui étaient à l'hôpital ce matin. Ils sont doigts, lui ? Ouais. Ah, mais non, au contraire. Les médecins se sont rendus compte que c'était du coup une erreur de leur machine. Ils ont dû régler leur machine grâce à lui. Bon, moi, les gars, il va falloir que je fasse quelque chose. Poussez-vous. Oh, il a pris le détecteur. Je l'ai pris. Et maintenant, il est l'heure pour ton anniversaire, mon cher Gotaga. Alors, on rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous régale pour ce deuxième mercredi de l'année. Vous êtes déjà presque 70 000, c'est ouf quoi. Ah ouais, faut le dire, putain, ouais, faut c'est le incroyable. Dire. Ce qu'il a entre les mains, c'est un détecteur de mensonges de type très haut de gamme, on est d'accord, Scoozy? Alors, c'est moi qui l'ai ramené, m'a été confié par un ami des services secrets français, qui sont juste à côté intact. De Webedia, c'est comme ça que je l'ai connu. Entre ah, la DGCCRE là. Bien sûr, DGSI, DGCCRF, DGE. Et il m'a confié cette ustensile en me disant surtout ne l'utilise pas en live. Je l'ai ramené aujourd'hui. Okay. Locke, je rappelle que ça capte précisément les signaux de faiblesse que vous pouvez avoir dans votre voix quand vous êtes fébrile, mais vraiment le tout petit signe de fébrilité. C'est la seule chose qui ne trompe pas. Et ça vous dit si vous mentez ou pas. Locke, à toi de jouer. C'est le moment. Gotaga, Gotha, as-tu peur d'affronter Squeezie en 1v1 au ping-pong? Non, pas du tout. Alors là, il a coulé, c'est évident que la machine... C'est pas logique avec tout ce qu'il nous a dit avant. Quoi? Oh, c'est la vérité! Je vous dis, c'est simplement pour la régie. C'est simplement pour la régie. Il a clairement tremblé. Vous vous rendez compte? Mais c'est qu'est-ce que cette merde? Rendez-vous compte? Il a vraiment tremblé là. Il est de la régie, lui. Il a vraiment. Écoutez, moi, quand il y a des jeux qui sont officiels pour justement les Olympiades de ce soir, je suis présent, tu ne l'es pas. Donc à toi de me répondre actuellement sur les prochains jeux qui arrivent, tout simplement. Alors quels sont les prochains jeux? Parce que là, il y a des maîtres du temps qui ont installé une table, j'aimerais savoir. Je vous l'ai dit, c'est très spécial ce qui va se passer parce que ce n'est plus un jeu à 4, alors qu'on s'est passé un bon moment. Là, ça va être 2-1v1. Tu veux qu'on s'affronte peut-être? Oh non, il est l'heure de faire le 2v2. Alors, qu'est-ce qu'il a pas compris? Il est l'heure de faire le 2v2. Il vient de dire que c'est 2v1. Il vient de dire que c'est 2v1 et il va voir ce que c'est. La bonne force. Ok, on y va. Il a pas trop la tête. T'as l'air, il faudrait que j'aimerais trop te voir tous les jours. Non, non. Après le 2v2, là on est obligé de faire un 1v1, mais 2-1v1 en même temps. Hein? En gros, il y a deux épreuves différentes, mais ça sera que des 1v1. Vous pouvez pas, on peut pas être plusieurs sur la même épreuve, parce qu'en fait, une fois qu'on a vu l'épreuve, tout le monde va savoir jouer. Une fois qu'on l'a fait une fois, ça y est, les filles. Donc c'est à deux matchs en parallèle. Là, qui affronte qui pour 3 points pour le gagnant, 0 points pour le perdant. C'est une capacité à fast lane du coup. Non. Tu me promets que c'est pas entraîné ce chien? En gros, je vous le dis, il y a un jeu. Je vous le dis rapide, il y a un jeu, c'est de la mémoire, et il y a un autre jeu, c'est du calcul mental. Mémoire ou calcul mental? 29 ans, déjà aigri. Je vais faire quoi, mémoire ou calcul mental? Pour moi, on devrait laisser décider ceux qui ont le moins de points. C'est quoi mémoire ou calcul mental? Mémoire ou calcul mental? C'est l'un ou l'autre. Calcul mental. Tu t'affrontes sur celui que tu veux. Et si t'as aucun des deux, on va sur calcul mental? Ok, c'est parti. Et du coup, on va sur la mémoire tous les deux? Et si t'as aucun des deux, je fais quoi? Bah, tu regardes, tu specs. Ok. Non, mais tu vas adorer. C'est quoi le? On va commencer par le calcul mental. On y va, messieurs. Le calcul mental. Squeezie contre Gotha pour 3 points. Le perdant à 0. Donc c'est une vraie rivalité. Mais regarde avant Gotha, gros. Il y a une vraie rivalité. On remet les scores rapidement, s'il vous plaît, qu'ils se rendent compte qu'il est à 12 points. Ouais, mais non, mais c'est cool. Enfin, c'est chiant qu'il est 0, quoi. Oui, mais nous, ça nous arrange que tu te fasses calmer. Parce que là, regarde. En cas de victoire, tu reviens à 2 points de Gotha, Squeezie. Tu reviens à 2 points de Gotha. Mais tu sais, je vais dire, je vais gagner, je n'ai aucun doute. Mais même pour nous, en fait, pour nous, il faudrait que tu gagnes. Je n'ai aucun doute sur le fait de gagner contre Gotaga à l'épreuve du calcul mental. On y va? On y va. On y va. Squeezie, Gotha, calcul mental, ça va se passer ici, messieurs. Messieurs, je vous le dis, ça va être très rapide parce que je veux pas trop que vous puissiez analyser le jeu. C'est vraiment du calcul mental, oui. J'ai l'impression que c'est l'arnaque. Non, ça ne touchez pas, ça sera pour Locklear et moi après. Je l'ai dans les mains, je veux pas que vous regardiez. Ce qui va se passer, c'est très simple. Locklear fait. Je regarde quoi, face à la cam. Je regarde quoi? Et tu bouges juste les lèvres comme si c'était toi qui expliquais les règles. En face cam, je sais pas où est la cam. Voilà. Bouge juste les lèvres quand je parle, ok? Tu bouges les lèvres. Messieurs, c'est très simple. Vous allez avoir un jeu devant vous avec plein de bâtonnets. L'objectif, bien évidemment, c'est d'enlever les bâtonnets soit par 1, soit par 2, ou soit par 3. Vous ne pouvez pas faire d'autres options. Celui qui enlève le dernier bâtonnet a perdu. Il ne faut pas prendre le dernier bâtonnet. Celui qui enlève le dernier bâtonnet a perdu. Vous ne pouvez les enlever que par 1, par 2, par 3. Qui commence? Faites un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui commence maintenant. C'est fou, mais... Il commence. C'est Gotha qui commence? Ouais. Vous êtes prêts? On y va dans 5, 4, 3, c'est du calcul mental. 2, 1, c'est parti. Je rappelle, Gotha, tu peux les enlever que par 1, par 2, par 3. Et je rappelle que tu n'as que 5 secondes pour jouer. Après, ça devient Squeezie. C'est parti. Mais il ne faut pas prendre le dernier bâtonnet. Okay, 1, 2 ou 3. Okay. Il en a pris 3. C'est là, on est bien. 3, tu en as pris combien, Gotha? 3. À Squeezie. Il ne faut pas prendre le dernier bâtonnet. 3 pour Squeezie. Gotha, à toi de jouer.
Qui va avoir les 3 points? Qui en aura 0? 3 pour Gotaga, Squeezie qui va se retrouver maintenant dans des problèmes peut-être mathématiques. Il met du temps par contre, monsieur. 1, il met du 2, temps. 3, 2 bâtonnets, 1 bâtonnet, 3 bâtonnets. Squeezie l'emporte! Oh my god! Squeezie! Je trouve que c'est de la triche parce que tu m'as dit 5 secondes, j'ai joué vite. Et il y a le moment où c'était Game Breaker, tu lui as laissé beaucoup de temps, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, c'était toi. Hein. Moi, j'ai pas arbitré. Ah, pardon. Mais t'es pas à la caméra. Bien joué, monsieur. Je sais très bien que tout n'était pas parfait dans ce match. Mais mon cher Gotha, tu es quand même très très fort. Et pour le coup, tu as quand même perdu le chef de connard. Et par contre, Squeezie, je vais vraiment t'écraser ton petit coup. C'est pas cool, insulte. Je t'écrase ton petit coup, idiot. Je l'écrase ton petit coup. Hein. Vraiment, je vais lui faire du mal à ton petit coup. Ok, pas mal. Squeezie, t'es trop beau. Pas mal. Merci, mec. De rien. Nouvelle épreuve. Nouvelle épreuve. Squeezie, je te laisse expliquer. De toute façon, tu connais. Mais tu sais que c'est la première fois que je gagne à ce jeu ever de ma vie, ça là. Tu veux qu'on revienne un peu sur cette victoire? Parce que non, non. Sur le moment où t'as pris 15 secondes surtout pour jouer. On peut en revenir ou pas? J'ai pas du tout le seum. Squeezie, Gotha, vous allez devoir faire une combinaison de couleurs ici. Ah, mais on fait c'est jour. Non, c'est pour eux et ils vont devoir se rappeler. Et nous, il va falloir qu'on la reproduise là. Ok. Hein? Ah, pardon. On va faire une combinaison de 10 couleurs. Les jeux. Et nous, il va falloir qu'on la reproduise. On va la regarder, on va la prendre. Ah, regarde là. On va la reproduire. C'est de la mémoire. C'est impossible. Oui, c'est très dur, mais c'est ce qui a fait la reproduire. Ok. C'est impossible. Tu vas juste faire moins d'erreurs que moi, c'est tout. Mais c'est impossible. Bah retiens-en au moins la moitié. C'est impossible. Un tiers. C'est impossible. Un quart. C'est impossible. Un pion. Impossible. Est-ce que j'arrive vraiment à m'en rappeler, moi? Ouais, là, ça me semble. J'arrive vraiment à m'en rappeler. Faut pas que j'arrive à m'en rappeler. Mais pourquoi faut pas que t'arrives à te rappeler? Oh, t'as pas à nous écouter. Non, mais bah oui, mais j'ai une oreillette. Je pense que si on fait l'enchaînement deux noirs au début, c'est pas mal. Tu parles tout seul? Non. Non, je parle avec Gotha. Ouais, t'as raison. Tu parles tout seul? Non, je parle avec Gotha. T'as raison. Très bien. Là, c'est chiant. Ah, ça c'est bien, c'est chiant, ça là, c'est chiant de ouf. Ok, vas-y. On montre d'abord un peu au chat. On montre au chat un peu la combinaison. Regardez pas, s'il vous plaît. Regardez pas. Voilà la combinaison que nous avons faite, chat. Donc ils vont devoir se rappeler de tout ça. Et normalement, on a mis des petits bâtons dans les roues. Vous allez comprendre. Là, il y a une séquence qui est un peu relou. Voilà, allez, on ferme ça. Oui. On est bien, non? T'en penses quoi? C'est impossible. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Oui, je suis ok, et ensuite, on va le rouvrir. On va le rouvrir. Dès qu'ils sont tous les deux en face, je pense que tu te mets là, Lucas. Pour regarder, hop. Et après 30 secondes pour faire. Messieurs, après, veuillez prendre place. Je prends le relais un petit peu sur l'animation de ce jeu. Vous savez ce que vous allez avoir à faire. Il y a une séquence de billes ici au milieu qui va s'apparaître à vous pendant combien de temps? Je sais pas, 20 secondes, 30 secondes? Hors de question, 10 secondes. Non, c'est impossible. Et vous allez devoir la retenir. 15 secondes? 15 minimum. Gotha, combien on leur donne? Allez, 20 secondes. Franchement, 20 secondes, c'est assez faire. Allez, vous voulez dire un avis secondes plus. Non, 20 secondes. Vous aurez 20 secondes. Un avis plus quoi? Plus réfléchi. Non, mais attends, c'est impossible. Tout le monde est d'accord sur 20 secondes. 20 secondes, on n'est pas sûr que vous aurez tout. Alors, sachez que je précise les règles. Oui. On commencera la séquence de la gauche jusqu'à la droite. Qui change. Non, donc, commencez à apprendre de là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, à la fin, 7, 8, à la fin 9, 10, au final, 11, 12. Non, celui qui a le moins d'erreurs qui gagnera. C'est horrible ce qu'il m'a dit. Ah, tu veux 12, faire comme ça ouais. Moi, j'aurais reveal bille par bille. Non, mais ça va reveal. Ça va être l'inverse. Ton reveal va se faire comme ça. Ouais. En fait, ça va être celle-là qu'on va voir en premier. Tu pourras pas faire de l'autre côté, c'est coincé. Oui. Ok. Donc, t'es obligé de faire ce sens. Dans tous les cas, imaginons que vous ayez. Première boule, dernière boule. Essayez de vous souvenir le plus possible de. D'un max quoi. Attends, quoi max. Et ceux qui auront le meilleur boule est là. Ouais. Non mais en fait ça n'a pas d'importance parce qu'on fera au nombre d'erreurs dans la chaîne. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, Mais attends, moi je veux commencer ici. Mais ça change pas, oui, c'est le but. Lui aussi, c'est le but. C'est juste pour reproduire à l'identique en miroir. À partir du moment où il aura tiré ça jusqu'au bout, le compteur partira. Oui. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Je vais faire preuve d'une grande mémoire aujourd'hui. Et. Est-ce qu'on peut demander le silence? Top le compteur. Non, mais. Silence. J'ai mis le compteur. Vous êtes des bâtards. Bon, on va pas vous faudrait pas vous parler parce que ça risque de vous déconcentrer, mais en tout cas, vraiment, concentrez-vous au maximum. Voilà, vous l'avez vu, cette séquence de verte, rouge, blanche, verte, rouge, elle est quand même un peu complexe. Tais-toi ! Il y a du jaune aussi, attention, par-ci, et par-là. C'est deux boules noires de part et d'autre. Il reste 2 secondes, c'est fermé, monsieur. Allez. Messieurs, à vous de jouer. C'est parti. Là, par contre, là, t'as tout ton temps. J'ai gagné. J'ai gagné. Lock, réfléchis, t'as tout ton temps. Réfléchis. Merde. Normalement, c'est fini, là. Frère. Mais frère, arrêtez de l'aider. C'est terminé.
Ok. On va commencer. Moi, j'ai pas le temps de changer. Les points, tu fais un par un. Allez, on fait un par un. Moi, mon début, il est parfait. On va commencer au bout. Jusqu'à jaune, il est parfait. Tu veux pour l'instant. On va commencer au bout. Ça fait quoi? C'est une bille verte, 1-0 pour Dwight B. Let's go. C'est une bille noire, 2-0 pour Dwight B. Let's go. C'est une bille d'une couleur qu'on ne saurait définir. C'est bon, c'est bon. Celle-là, elle est un peu verte. Non, elle n'est pas verte. En fait, tu es un peu daltonien, mais vas-y. Oui, il le sait. Mais moi, je dirais jaune. 4. On est donc sur 3. 0. 4-0. Micro, il est trop bon. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. 4-0. Je joue à la tournée. 5-0. 6-0. Et la première erreur de Dwight B. Je suis pas parfait. Ah non, 6-1. Il avait une noire. 6, oh bravo. 6-1. On continue. 7-2. On continue. 7-3. 7-3. Attention. 7-4. Oh, attention. Ah, oh, dommage. Dommage. La fin est 7-4 et 8-4. Let's go. Félicitations, Dwight B. C'est un 8-4 pour vous. Il faut serrer la main en tant que personne fair play. Hey. C'est la bonne ambiance ici. Faut y aller, Locke, là. Faut passer au prochain jeu. T'inquiète, j'ai perdu moi aussi, c'est comme ça. Ça fait partie de... Vous êtes amis avant tout. Merci d'avoir participé merci à ce jeu. Merci pour beaucoup d'avoir participé. Merci d'être venu. Je vous invite fois. À vous réinstaller merci juste là-bas. J'arrive, on va rediscuter. Merci allez-y, beaucoup. Allez là-bas vous aussi. N'oubliez merci. Pas votre téléphone hein, juste ici présent. Merci, monsieur. On va pouvoir se voir un petit récap. Excuse-moi. Des points. Tu sais, tu le connais Oui, des fois, il se désactive. Parce que normalement, quand on finit une game, non, il la main. Il déteste perdre. En fait, il se prend pour un pur génie. Avengers. Pour un Avengers, d'où son strike Avengers. Il pense qu'il est Captain America. Regarde, allez-y, lance-lui une phrase en anglais, tu vas voir. Ça va le réactiver. Hey boy, where is the kitchen? Brian is in the kitchen. Oh! Je t'ai dit. Il a un peu zinzin. En anglais, demande-lui en anglais. Hey, good job, man. Good game, well game. Well play. Oui. Oh, bravo! Merci pour ce moment. Merci beaucoup. Wow, Captain, attention. Attention, careful. Captain, take care of his hand. Bon, les gars, assez de séquences cringe pour cette séquence. Bravo, oui. Le script est respecté. 9 sur 10, le jeu d'acteur. Merci à tous, bravo. C'est dans la boîte. Bien joué pour les. Je suis doux. Bon, est-ce qu'on peut avoir un petit récap des points là? Bien parce sûr. Que je crois que ça. Regardez! Oui! Dwight B qui est bien remonté, Gotaga, l'écart se resserre, et Locklear bien évidemment dernier. Son souris, son clavier, il est capable de rien, ce jeune homme. Aïe. Non, on passe un bon moment, en tout cas j'espère que le chat vous apprécie tout autant que nous le contenu. Vous êtes officiellement plus de 70 000 parce qu'on est 70 600 spectateurs. Wow. Pour cette deuxième de la rentrée, tous les mercredis, 21h minuit, c'est ce qu'il faut retenir pour tous les lives de Squeezie. À minima, parce qu'après, il y a toujours plein de lives surprises. Il y a toujours plusieurs lives à droite à gauche, mais ouais, cette année, on fait truc mercredi. Et franchement, je réalise là qu'on n'a pas fait assez de trucs dans la vraie vie l'année dernière, en vrai de vrai. De fou. Moi, je garde un super souvenir de quand on avait fait le ménage. Bon, t'étais pas là, malheureusement. Oh, ouais, je t'ai pas invité. Quand je vous ai fait le ménage. Ah là là là. On a fait le ménage. Enfin, quand on est parti, je t'ai appelé faire plein de choses. Il s'appelait. Ouais, l'abonné, chez qui on était allé. On avait fait. Vous vous souvenez comment c'était vraiment là-bas? Ça, c'était un live IRL, tu vois. Ouais, ça, c'était un live IRL. Et d'ailleurs, on a eu de la chance qu'il ait la fibre et qu'on ait pu se connecter en Wi-Fi, parce que le Sagato ne marchait pas, il n'y a pas de live. Il n'y avait pas de live. Ouais, c'est ça. Mais c'était très marrant, ça. On avait fait un. Tu connais l'histoire? Ouais, mais j'étais pas invité, mais ouais, vas-y, dis-moi. Non, non, mais il n'y a pas eu d'invitation. On a perdu un défi et on était. Ok. Allez. Relance-le. Alors, je rappelle que j'ai The Detector Game, donc ouais. C'est vraiment. Non, on pourra pas passer à côté de la vérité. Alors, Gotaga, si je t'avais invité à ce live, serais-tu venu? Bien sûr. Mensonge et tragédie. Ouais. Et voilà. J'ai... Ça dégage. Ouais. Mitigé. Par contre, ton truc, je commence à vraiment croire qu'il est. Qu'il marche. Il est cassé depuis déjà 25 minutes. Elle est là, la vérité. Combien de jeux il nous reste, Dwight? Il nous en reste à l'infini. Ça, c'est vraiment, ça dépend de vous, de votre énergie. Ce qui va se passer pour la prochaine épreuve, on va être plus sur de lame, mais dans deux types différents. Une armée et une sans armes. Évidemment, toutes les armes sont des répliques. Je suis d'accord avec toi. C'est même pas des répliques, c'est clairement des jouets rose et vert. Ouais. En plastique. Mais c'était bien de mettre un certain. Voilà. J'ai bien aimé. Toujours essayer de ne pas viser la tête des gens. Mais il va falloir viser dans des cibles armées pour marquer un max de points. On va tous y passer. Celui qui marquera le plus de points remportera le plus de points au compteur. Et ensuite, ça sera deux duels en 1v1 avec élimination directe et une grande finale. Un peu comme. Et le 2v2, c'est quand? Le 2v2, c'est juste après. Leak. Après, ça sera une épreuve en 2v2. Il a leak.
Les gars, il a leak. Il a leak quoi, le truc d'après? Ouais, il a leak. Non, bah, il a plutôt teasé ce qui sert plutôt le live en réalité. Oh, mais il a leak. On y va, on va tirer? On y va, je suis prêt. Les gars, n'oubliez pas, un homme à abattre, il s'appelle ouais. Gotaga. Là, techniquement, on va le prendre. Allez, c'est terminé. Allez, on y va. Si tu me tires dessus, tu vas pas gagner en fait. Non, mais attendez, attendez. Attention. Le scoring, il est trop bien, Gotha. Faut vraiment faire quelque chose. Regardez, nouvelle. Ça va très vite ici. Hein. On installe, on désinstalle, c'est du professionnalisme. La pression est sur toi, mon pote. Première étape, première épreuve, ça va être au niveau du Dinosaurus. Quand Squeezie, en début d'émission, pour ceux qui étaient là, vous a dit qu'il avait j'ai fait acheté des attention jeux. À chaque achat, que chaque achat, chaque jouet a été choisi de manière très précise. Il j'ai acheté des jeux assez ouf et assez rares à obtenir ce dinosaure-là. Je vais vous dire, c'était ouais. vraiment très très cher. Ouais. Et ils l'ont fait venir de Californie, donc j'espère que vous allez prendre du plaisir. Ça, qu'est-ce que c'est? Un fusil à air. C'est-à-dire qu'il faut, à l'image de certains pistolets, attention. Rabattre les deux pour tirer. Ça envoie la balle à deux à l'heure. Du coup, le bullet drop, et ce sera votre question, est monumental. Aïe. Sachez-le. Bien plus. Combien de balles on a par chargeur? Comme ça, on va se dire que la limite, c'est ce petit truc-là. Trop regardez, bien. Ce petit carré-là, directement. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, il n'y a pas de triche possible. On passe chacun notre tour et il faut en mettre un maximum, sachant qu'ils n'aura pas tous le même nombre de points. Ici, c'est 100 points. Ici, c'est 30. Ici, c'est 50. Ici, c'est 10. On cumulera en fonction de vos balles votre score. Celui qui a le plus gros score prend 4 points dans notre compteur. 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième, 1 point pour le dernier. C'est la première épreuve. Qui passe en premier? Eh bien, Gotaga, je Gotaga. Vous invite à... Gotaga. Ah, c'est, allez, ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, les gars, c'est désavantageux de commencer. Moi, je propose au moins un Shifumi pour savoir qui commence entre nous deux. Pourquoi nous deux? Parce qu'on a fait un Shifumi. Mais tu es premier, c'est toi j'ai qui déjà commencé au docteur Maboule. Tu es et t'as fini premier quoi? Tu arrêtes, je vois clair dans ton jeu. Non, mais je vais mettre des balles dans le vide. Parce que oh non, prenez pas ça, les gars, c'était pour la déco. Est-ce qu'il y a une caméra qui... Ok. Gotaga, c'est à toi de jouer et ça commence maintenant. Non, franchement, applique-toi, je te jure que c'est pas si simple. Sans blague. Il sait. C'est pour ça que je voulais 100 points tout en haut. Hein. Mais c'est... Zéro. C'est zéro. Elle part deux par deux, les balles. Oui. Oh. Ou elle part pas. Et ça a tiré à blanc. Ça a tiré à blanc. On peut charge. Mais... Non, faut que tu baisses tu sais pour que la boule arme. Elle soit coincée au bout en fait. Voilà. Mais il sait pas se servir d'une arme, c'est Gotaga. En fait, tu peux pas plonger comme ça. T'es obligé de. Comment bah, lève les bras. T'es obligé de lever les bras. Voilà. Voilà. Ah oui, mais tu peux pas mettre de bullet. Gangster. Personne critique le jeu du dino, c'est. Oh. C'est horrible. C'est un jeu. Et voilà, et voilà. Il va dire que ça lag, que ça bug. Qu'est-ce que tu vas dire? Attention. Il lui reste des balles, hein. Il lui reste beaucoup de balles. Pour l'instant, c'est toujours 0 point. Alors ah oh c'est ah dans le 30. Nous avons un 30 points confirmés. Et il lui reste encore 3 tirs de 2 balles. Gotaga. Dommage, ça s'améliore. Ça, il trouve le, il prend le, il lui reste 3 balles. C'est quand même de mieux en mieux. Hein. Dommage. Je vois toutes les gens qui ont eu ça entre leurs mains. Par contre, il a tiré une par une. Il en reste une. Ah, le tuteur, il les tire une par une. Il est trop fort. C'est beaucoup mieux de tirer une par une. On a tous vu la petite technique là. En vrai, le cul, il va être avantagé. Je sais pas comment la tirer la dernière. Comme un gangster. Comme un gangster. Si tu fais ça. Alors, ne faites pas ça à la maison, mesdames et messieurs. Il a penché. Il a raison. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Dernière allez, balle. Allez. Est-ce qu'il reste à 30? Est-ce qu'il passe? Ok. Il va attendre. Quick scope! Mais quoi? Mais t'as même pas visé. Mais c'est incroyable. Parce que j'ai toujours pareil pour la dernière, c'est les gars. Incroyable. Quick scope. On a déjà un gun de prêt pour le deuxième. Maintenant, on va les ramasser et préparer le gun pour la suite. C'était mon meilleur tir. J'ai fait n'importe quoi. C'était quoi ce truc? Les gars, la texte, j'ai goûté, faites n'importe quoi. Il y a plus de chance que ça rentre. Essayez pas de viser. Il a regardez bien ce que Locker va faire, tout, ça va vous plaire. Incroyable. Allez, je vais ramasser les petites billes pour lui. Mais Lucas, t'avais déjà un gun de jouer, tu peux jouer, excuse, tu peux jouer. Ah. Joue. Tu veux que j'y aille moi? Ouais, parce que c'est un peu long, donc on va prendre... Ok, oui, j'y vais. Mais 80 points pour... Vous êtes prêts? Ouais, prends ton temps quand même. Ouah, t'es allé un peu vite. Hein. Non, mais wesh, elles vont pas loin les... Plus haut. Oui, c'est un 30 puntos. C'est un 30 puntos, il a tiré qu'une balle. Ouais, bah écoute, tant mieux pour lui, GG, il a la tech. Non! Dommage, les deux se sont interchoqués. Allez, un petit 50 était à égalité avec Gotha. Oh non, elle est rentrée! Elle était rentrée! Nul. Alors là, nul. Si tu mets pas 50 ou 100, je suis devant toi. Oh, mais mec, t'as tellement pas de chance. Il est nul, ce garçon. Oh, t'as fait 30 il a regardé ce qu'il me reste des balles. J'ai pas de chance. Comment ça? Il a regardé comment ça? Protège pour toi, mon bro. Non! Allez, laisse les pros faire. Allez, vas-y. Fais-nous rêver. Je suis trop deg pour toi, putain. Je sais, mec. Je donne un câlin. Merci. Ça va le faire. Bon, alors, ça, c'est un. Bon, je suis un professionnel. Attends, dans la vraie vie. Il te manque une balle, Locke. Hein.
pas envie de te dire de la merde, mais... Non, c'est bon, j'ai une verte. Il y a vraiment une verte dedans. Ça, c'est pour les professionnels de la vie. J'ai fait 30 points et Gotha a fait 80. Allez. Et alors, je suis grand, donc je suis méga avantagé, je suis musclé, je suis méga avantagé, oui, je suis charmant. Blablabla. Bla, 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 bla. Et t'as fait de la pension aussi, donc ouais, t'as avantagé. Tu sais qu'il y a ça là-bas. Ouais. Zéro. 30. Ah merde, 30. Je regardais pas, j'ai juste dit 0. 50. Oh, il a failli mettre 100. 0. Oh, il a failli. Il a failli faire. Waouh, il a été. Il en reste une. Bravo, bravo. Il en reste une. Oh, il en reste une. Peut-être. Oh, oh non. Égalité avec égalité. Gotaga. Waouh. Alors là, je dois dire que je suis assez surpris de ce que j'ai vu. Égalité. Très, très fort. Hein. C'est autour de toi qui s'entraîne. On rappelle tous les jours à ce mini-jeu, du coup. Normalement, il devrait nous surprendre. Comment non, c'est vraiment moi qui l'ai. Comment il te manque des vertes si jamais c'est des vertes que t'as. J'ai mis des roses du coup, mais. T'as mis de tout. Ouais, remplis juste mis ton truc. Tout, j'ai mis de tout. Attends, il en a peut-être 2 ans. Il est rempli à ras. Je crois que j'ai un petit peu plus de balles que vous, les gars. Il est rempli à ras. Mais non, Dwagby, c'est à toi. Je rappelle qu'il y a 80. Bah oui, pas grave. Il y a 80 pour Locke, 80 pour Gotha, 30 pour moi. Dwagby, c'est à toi de jouer. Faut juste avoir le pied sur la trappe. Ouais, exactement. T'as peut-être un peu trop. Je rappelle que si tu mets, t'as trop de balles. Donc là, il a trop de balles. Clairement, tentative de triche. Il a mis tellement. Tiens. Je pense qu'on devrait le faire. Il y a peut-être encore trop. Ouais, je crois qu'il y en a encore une en trop. Ouais. Non, mais attends. Oh, non, mais j'étais pas prêt du coup. Il a perdu 3-4. J'étais. Continue. Si tu mets un 100, tu gagnes. Hein. C'est raté. Comment il joue bien, c'est ouf. C'est raté. Tellement bien pour l'instant, les derniers. Oh le 50. Par contre, mais c'est qui le fils qui a fait des trucs comme ça aussi? Oh ah non. C'est qui a fait ça? Je te jure. Gotha, t'es vraiment un calculateur. Je vous jure que c'est pas moi. T'as traîné vers là. Mais moi, c'est pour ça que mes trucs ils ont bondi. Si je remets 50, c'est pour ça que mes trucs sont sortis. Non, parce qu'il avait pas encore touché à ce moment-là. Ouais, à toi, non, personne n'avait touché toi. Donc t'avoues que t'avais touché pour moi? Non, personne. J'ai pas dit que moi j'avais touché. Pas la gueule. Pas la. Non, oh, le 2-10. Oh le 2-10. Attends, fais gaffe. Il t'en reste une. T'as actuellement 3ème. Je suis à 70. Ah bah ouais. Après. Oh, c'est pas très cool ça. Je suis d'accord pour t'accorder 5 points supplémentaires du coup, vu que t'as tiré dessus. Non, j'ai raté le 30. Ok. Gotha et Locke premier à égalité. Mais donc comment on les départage mettre, donc c'est on parti. Va leur mettre les points de. Ah, ils refont la. Bien sûr. Comment on les départage? Ok. On repart pour faire premier deuxième. Allez les gars, allez-y. Et c'est moi qui commence? Chut, bien sûr. Ok. Là, j'adore ça, ces deux joueurs compétitifs, ils n'acceptent pas l'égalité. C'est bizarre parce qu'au ping-pong, il a pas. Non, il a pas tenté. Bah, je sais pas s'il y a tentative de triche, je sais pas ce que vous. Non, vous là, en j'ai pensez, l'impression mais... que ça veut tricher, les amis. Ouais. Cac, triche. Mais du coup, vous tirez en même temps? Mais du coup, faut respecter les couleurs des balles si vous voulez tirer. Alors, en même si temps. Si on peut tirer en même temps, non, non, vas-y. Non, 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 allez-y, chacun votre tour. Allez, vas-y. Et tu veux être celui qui joue en deuxième? Vas-y. Tiens, j'ai 2 balles ici. Ou au pire, vous faites moitié chargeur, moitié chargeur. Et ensuite, tu vas. Non, chacun leur tour, comme tout à l'heure. Mais le. C'est un avantage de passer en deuxième. Gotha, à toi de jouer. Il a une balle de plus que moi. Il te la donne, on te la. Moins ça. Mais même en moins 10, moins 10, moins 10 points. Ouais, mais quand est-ce qu'on du plaisir? 10 points moins, 10 points moins. 10 points moins. Notre ami Gotha là. 10 points moins. Gotha, c'est. Il y a même pas d'enjeu. Il avait une balle dans la poche. Maman vous a jamais dit, faut t'avouer, faut à moitié pardonner? Non, c'est. Donc moins 5 points en moins. Non, on a 10, 10, 10, 10. C'est le minimum. Allez, 10. 10 points moins, donc là je peux faire. Je peux faire. Je peux faire 0 si je touche rien. Je peux faire moins 10 si je touche rien. Ouais, exactement. Ok. Allez, à toi de jouer. Tricheur. Ah, je vais faire ça de toute façon. Tricheur. Oh, il a fait 100 du premier coup en le disant. Si t'en mets une ensemble, je reprends le. Oh, mais quel. Mais c'est pour ça qu'il se permet. C'est pour ça qu'il se permet d'être un cancre. Parce qu'il sait que derrière, il a le niveau pour. Ouais, bon, c'est gênant. Ouais, c'est toujours gênant. Elle bug, mon arme. Moi, c'était combien de balles? Encore 8, ok. Oh. Non. Mais les points sont doublés. Les points sont doublés. Oh, le jump. Oh, dommage. Dommage. Il y retourne. Dommage. Y'a plus rien. Il m'en reste une. Non, c'est fini. Tu veux mon gun tête pour rester? Vas-y. Ah ouais, merci. Tu lui laisses toutes tes balles? Tu lui laisses le reste de tes balles? Quel homme. Ça, c'est très risqué. Du coup, et y'aura pas de retour en arrière, Gotha. Tu pourras plus tirer. Y'aura pas de retour en arrière. Regardez-le. En tout cas, il s'amuse quand même, petit fou. Là, il m'a fait peur. Il s'amuse quand même, petit fou. Il s'amuse beaucoup. Ça me fait plaisir rien que voir ça. Je regrette que ses parents lui aient pas acheté ça quand il était jeune. En vrai. Regarde. Et non, c'est terminé. Il en reste une. Mais sans, tu me bats parce que je suis à moins 10, je suis à 90. Oui, il a 90. Il a failli mettre le sang dans la légende. C'est fini pour le dinosaurus. C'est terminé. Gotha premier, Locke deuxième, Dwagby troisième. Mais, regardez ce qui nous attend, messieurs. Mais non. Attends, on va se balancer ça à la gueule. Du duel.
Attention. Attends, on va se faire mal là. Les gars, on est vraiment en colonie de vacances à 11 ans. Alors attention, parce que c'est dos et face, bien évidemment. Vous avez 5 balles chacun. Okay. Le but, en mettre sur l'adversaire le plus possible en ayant une zone. On va se délimiter une zone pour que faire des gauches-droites. Pour esquiver, en laissant toujours le torse visible. On lance comme ça ? Simple. Non, mais le but, faut... ouais, on va dire qu'il y en a. On se fait deux zones. Il y en a un qui est là, il peut pas dépasser ça. Ça va ? Et l'autre là-bas, il peut pas dépasser le petit scotch. Bah, tiens, vas-y, Squeezie en premier avec Gotha, c'est parfait. Regarde, hop, ça je vais le mettre là. Oh ! Gotha a l'air chaud. Hein. Gotha a l'air. Pourquoi il commence ? Ouais, il s'entraîne. Mais comment il s'entraîne ? Tricheur, voleur, escroc. Mets ton chasuble. Ok, je suis prêt. Ça fait mal, ça on fait mal. On s'affronte encore nous deux ou on change ? On change, je pense. Comme vous voulez. On fait que de s'affronter avec Coco. Vas-y, on peut changer. Moi, je suis chaud d'affronter Gotha. Allez, vas-y, Doig, tu vas affronter Gotha. Mais il me va le chasuble au moins. C'est 4 balles chacun ? C'est 5 balles chacun. Ok. Regardez, il y a de la date. Monte le gilet. Non, pas d'entraînement. Mais c'est pas de l'entraînement, je veux voir si ça adhère. Ça adhère, putain, pas, regarde. Hop, par contre. Non, par contre, les balles, elles accrochent vraiment. Ouais. C'est le but. Ouais, faut bien que ça se craque. Ok, combien de balles t'as, Doig ? 5. Ok, tu veux que je t'aide ? Allez, mais les gars, j'ai l'impression de retourner en colonie de vacances, par contre, c'est trop bien. On est vraiment en colonie actuellement. Eh, Gotha, attends, tu commences, Doig ? Ouais, je vais fumer Gotha. C'est éliminatoire, hein. C'est un tournoi. Donc après, il y aura la finale. Ah, c'est un tournoi ? Ah, c'est un tournoi ? Waouh ! Ah, bah faut un premier, un deuxième, un troisième. Attention, je vais inspecter les gilets. Excusez-moi, on a le droit de se mettre sur le côté comme ça ou pas ? Non. Okay. Alors, non. Alors, les gars, commencez pas. Rappelle les règles. Celui qui se tourne pour se protéger. Il me manque une balle, s'il vous plaît. Les gars, impossible. On va... J'en ai que 6. Non, mais c'est. Alors, moins 10 points pour tentative. Non, je sais pas. Ah, bah si. Le premier qui se tourne, celui qui fait ça. Il est éliminé. C'est disqualifié direct. On a le droit de faire grand maximum là. Non, vous pouvez que faire ça. Regardez les gars, regardez-moi. C'est ça, vous pouvez que faire ça. C'est ça, c'est exactement attends, ça. Attends, t'as vu qu'ils ont à l'arrière ? Ouais, après l'arrière, on peut pas le jouer. On va pas se retourner. Ok. Par contre, moi, le truc, c'est qu'il faut délimiter aussi une zone de côté. Derrière le scotch noir. Ok, mais les derrière côtés. Le scotch noir. Et les côtés. Derrière le scotch noir. Et bah, mettez-vous tous les deux aux extrémités ou mettez ça. Mettez les bambous là. Non, toi, tu vas te mettre derrière ça plutôt. Tu vas t'exploser. Là, la dog. Ici, derrière. Non, tu vas t'exploser dessus. Juste, vous franchissez les limites, je les gars. Je ne suis plus dans le cadre, par contre, messieurs. Là. Tu franchis la limite ou tu tournes, tu es disqualifié. T'es sûr que plutôt, je n'ai pas le droit de sortir de là plutôt. Non, mais les gars, vous voulez pas déjà essayer immobile ? Je sais pas, je regarde le plan, sinon c'est. Immobile ? Quoi ? Je comprends pas. Ok. Je prends la proposition. Attends, pose. Et d'ailleurs, je donne 20 points pour cette proposition. Attends. Et une fois qu'on a tiré nos 5 balles, il se passe quoi ? Bah, t'as plus de balles et l'autre doit tirer ses balles. On tire chacun notre tour. Et on a combien de temps pour les tirer, nos 5 balles ? Savoir si je peux juste camper. Non, mais vous tirez. Écoutez, normal. Il a raison. Vous prenez un tricheur. Ok. On va faire la chose suivante. Vous tirez une balle chacun votre tour. Voilà. Chacun votre tour. Tu commences. Et en effet, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de. Toi, t'as pas le droit de dépasser ça. Ok. Et pas le droit de dépasser le scotch noir derrière. Ok. Toi, t'as pas le droit de dépasser le scotch noir qui est là et de dépasser. Attends, mais le milieu. Ah bah voilà, finalement, il a la triche. Excuse-moi. Enfin, il y a. Bon, c'est la triche, sinon ils peuvent reculer, non ? Mais ça, c'est quoi ça ? C'est ça le problème avec les gamers. T'as vu ? Non, mais c'est des trucs. Ils peuvent pas s'amuser. Ils veulent vraiment que les règles. C'est qui commence ? Toi. Moi ? Ok, et quand est-ce que j'aurai de commencer ? Bah, je sais pas. Moi, jusqu'où je peux aller, Locke ? Non, c'est trop là-haut ! Mais où ? C'est où la limite ? Disqualifié ! La limite, les gars, c'est. Non, vous avez le droit, vous avez le droit. Mais par contre, attention à devant derrière. Si vous sortez de l'espace, c'est éliminé. Tu vois, même le sort du champ de caméra. Moi, je trouve c'est trop. Il faut qu'il soit immobile. Mais vas-y, on va. Immobile comme ça ? Combien paris ils mettent ? 0 balles ? Ils ont le droit. Comme ça ? Tu penses qu'ils ont le droit de faire quoi ? Juste de sauter et de se baisser ? Ouais, un truc comme ça. Okay. Pour moi, mais déjà, essayez, vous allez voir, aucun d'entre vous ne va mettre une balle. Mais c'est bien sûr que c'est gros. Okay. Tu paries ? Mais on est de face, il a tout le champ libre. Okay. Vas-y, Dwagby, tu commences à tirer. Oh merde. Et ce sera à chacun votre tour. Et là, c'est une façon de se mettre dans les skis. Il saute, on a le droit de sauter ? Ouais, bien sûr, on a le droit de sauter. On a le droit de feinter ? Bien sûr. Oh là, moins un, les gars, si vous vous baissez, c'est en squat, c'est comme je fais là. Vous pouvez pas faire ça. Excusez-moi, je suis pas très sportif. Il a tenté l'esquive pas mal, okay. Bien tenté. Non, c'était bien. Allez, on y retourne. Et tryharder un peu moins, c'est les Olympiades et il y a pas d'enjeu. Je précise. Ah ouais. Non, mais. Oh ah non, il y a rien. Mais il a fait ça, ça fait plus. Non, j'ai pas fait ça. Replay, s'il vous plaît. Tu ne dois pas avoir peur de la balle. La balle ne va pas te faire des dégâts. Tu dois laisser la balle. Jamais. Monsieur l'arbitre, c'est. Pour moi, il y a eu pivot. Et c'est un point pour Gotaga, bien joué. Dwagby, deuxième balle. J'étais en train de parler. Dwagby, deuxième balle. Allez, on enchaîne. Attends, genre ça. Ah, c'est clair, on la laisse. On la laisse. Vous dites rien. Non, attends, je vais laisser se fatiguer un peu. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Merci. J'ai demandé l'autorisation, on m'a dit non, oui. Attention, vous dépassez. J'ai des clients dans le chat, je reçois de nombreuses plaintes à la société industrielle. Il y a des gens. Et c'est un partout. Donne la balle. Ma balle, elle a compté. Oui, il y a un partout. Non, c'est à moi, il a tiré là-bas. Ah oui, c'est à toi, ok.
Il te reste combien de balles? Il y a 2-1 pour Kota. Il me reste 2 balles. Attends, j'ai besoin de toi. Oh, tu... J'ai combien de temps pour tirer? Là, t'as 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, fair play de la part de Dwagby, je l'accorde. Attendez, il lui reste 2 balles. Attendez, 3, 1. S'il met ses 2 balles, c'est bon. Toi, il te reste plus de balles? Non, c'est bon. C'est pas logique, il m'en reste 2. Non, mais son, je sais pas où elles sont. Ah, mais il t'en reste une. Allez, on y va. Et Gota qui regrette peut-être un peu d'avoir trop célébré. Voilà. Oh, oh, rapide comme l'éclair. Balle pour l'égalité. Là, si tu la mets à gagner. Là, si tu la mets à gagner. Non, il en a plus. Lui. Non, non, il en a plus. Là. Mais comment il a pu en tirer deux d'un coup? Je suis à côté, j'ai une balle d'avance sur lui. Il en a plus. Une, j'ai pas loupé. Tes balles. C'est vrai, c'est vrai. Non. Moi, je reconnais que c'est vrai. Tu vois, je suis contre lui, je reconnais que c'est vrai. Mais comment t'as compté, toi? N'importe comment. Non, mais juste, on a. Alors, attendez, il reste combien de. Mais c'est toi qui as pris toutes les balles là. Chacun là. Mes balles sont derrière toi. Ah, t'avais posé deux balles à toi? Oui, oui, oui. Ah, effectivement, donc il t'en reste encore une. C'est la charge à l'arrière. C'est un réflexe là. Ouais, mais si tu mets ta main dedans. Oui, non, mais c'est un réflexe deux, mais... humain, c'était pas une. Bah, on fait pas le réflexe. Tu pars loin, hein. Ouais, parce que j'ai remarqué que t'étais loin aussi quand t'étais en tête. Ah oui, bien sûr. Mais moi j'étais là comme un connard. Bah, oui. Oh non, je monsieur l'a mis la main. Je l'ai pas touché. Comment ça, tu l'as pas touché, elle est là. Oui, mais je l'ai pas touché. Ah bah oui, tu l'as pas touché. Chacun le bas, chacun le bas. Je l'ai pas touché. Je demande la VAR. Monsieur. La VAR, la VAR. Il jouait ping-pong. C'était tout à l'heure le ping-pong. C'est un réflexe humain. La VAR. Là, elle est collée. C'est pas accordé. C'est pas accordé. C'est pas accordé. Pas accordé. Ça, ça passe pas. Ça passe pas. Donc il a refait, il a un tir. Oui. Ok. Ok. Tu me dis quand t'es prêt, je vais pas tirer. Je mets les mains derrière le dos. Ok. Je peux répondre. Voilà, main derrière. Ouais, c'est bien. En fait, je ferme les yeux. Oh, bâtard, ça va trop bien marcher. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. Que je ferme les yeux. S'il la met, il y a égalité, c'est ça. La mort subite. S'il la met, il y a égalité. Yeah! Il a dit. J'ai rien senti. Là, on a fait genre qu'il avait tiré pour qu'il s'arrête et qu'il voulait. Mais vous êtes, connectés, les gars. C'est par contre, complicité de l'arbitre et tout là, ça veut. Non, mais on est là pour divertir des gens. Il y a aussi, personne qui a aidé. Donnez-moi votre gilet. Donnez-moi votre gilet. Pourquoi tu me tapes? Vous allez voir ce que c'est que des joueurs olympiques. Bien joué, gros. Deuxième match. Squeezie d'un côté, Locklear de l'autre. Gotaga est en finale. Et tu l'as déjà cassé. Ça m'arrange de pas être en finale. Il l'a cassé. Ouais, il l'a cassé. Non, non, j'ai pas cassé. Tu l'as cassé. J'ai pas cassé, j'ai pas cassé. La combinaison d'un gagnant. Oh, je vais sentir les balles. Qui va aller en finale? Qui va aller en petite finale? C'est ce qu'il va. On va le savoir. Ça serait fort. Ouais. Non, mais t'inquiète, regarde, c'est très bien là. Regarde, t'as juste besoin de. Voilà, t'es beau, mec. Ok, merci. Tu veux tester ton shoot un petit peu? Regarde, regarde, parce que regarde, ça colle vite. 5 balles chacun, pas une de plus. Oh, lui, il sait faire des squats, ouais, c'est mon champion. Ouais, Squeezie, je pense illégal, que c'est ça. Illégal, mauvais légal, un bon mois. Non, non. Okay, non, t'as pas le droit de faire ça, frérot. J'ai pas fait ça. Qui commence? Qui commence entre vous deux? Non, tu l'as fait. Excuse-moi, excuse-moi, Shifumi pour savoir qui commence. Shifumi, j'ai gagné sans regarder, on bien tourne. Bien sûr, je vous ai déjà le monté. T'as une balle de préférence, même à la limite, ce sera plus simple. Concentrez-vous juste sur tirer, pas besoin d'esquiver. Main dans le dos. Main dans le dos, Squeezie, hein, bien sûr, qui est à l'attaque, le joueur bleu. Oh, attention! Oh, monsieur! Chazub doit être dehors! Le Chazub doit être dehors! Oh, il a mordu! Tu n'as pas le droit de passer à l'inverse, toi? Je ne savais pas! Un avertissement. Avertissement, attention. Prochaine fois, c'est des points en moins, attention. C'est une balle en plus pour votre adversaire, attention. Si jamais. Ouais. Très belle esquive, ça, là. C'est quand tu veux. Il a les balles, il a les balles, il a les balles. Il les met dans son dos, en fait. Regarde, elles sont tous là, tes balles. Elles sont tous dans ton dos. Ça, c'est mon sniper! Montre-leur! Alors là, il faut 1-0. Respect total. 1-0 avec une balle d'avance. Il remorque, frérot, il a remorqué à l'instant. Il est en crabe. Non, par contre, allez, j'ai le droit d'en lancer deux en même temps. En même temps, ça va pas avantager. Bah si, ça peut. Allez, c'est facile. Mais gros, arrête de il a pas mordu. Disqualifié, disqualifié, disqualifié. Pour la peur qu'il marque. Un point, un point. Il fait que de sortir. Un point, un point, un point. Faut pas avoir peur que l'autre marque. C'est surtout sur votre chute que vous devez vous concentrer. Vous ne devez pas. La défense n'est pas prioritaire, c'est l'attaque qui est prioritaire. Locklear, qui n'a pas peur de venir au filet, qui n'a pas peur de venir au contact. Alors qu'il y a actuellement 2-1. Plutôt un partout. Un partout pour. Plus de sport là, qui se pute. Rappelez-vous, les gars, vous gagnez, vous avez une finale après à jouer. Hein. Illégal! Non, c'est un point! Non, 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 c'était bien droit, tu pouvais encore toucher malheureusement. Là, non, ça a plié. Je refais le move. Bah, mais plus de puissance, illégal. C'est encore pire. C'est encore pire. Pour moi, c'est pas légal. J'accepte. Je sais pas, si tu mets un peu plus de puissance. Ou, un point pour moi ou je retire si pour moi, tu retires, c'était pas volontaire. Mets un peu plus de puissance dans ta balle, parce que tu mettais un peu plus de puissance. Qu'est-ce qu'en pense le chat? Qu'est-ce qu'en pensent les 70 000 viewers qui nous regardent en ce mercredi 7 septembre, jour de l'anniversaire de Gotaga en plus? Il n'a plus de casquette, mais il reste concentré. À quel point ce match est important pour lui? Regarder le style passe en second. Oh, la yeah non, attention, c'était spécial.
aussi. C'était ça. Non, ouais. Je voulais faire l'avance en valse. Ça n'a pas déstabilisé le clear trop non. À l'aise. Remords. Hein. Arrête de remords. Ouais, arrête quelque chose. Arrête d'être crabe. De 1. Vous êtes quoi là? Hey, je vais me mettre derrière toi. Si tu me touches, si tu me touches, tu le pousses. 2-1 pour Locklear actuellement, mais Squeezie à l'avantage. Squeezie à l'attaque. C'est possible de revenir vite à égalité. C'est esquivé. C'est affolant. C'est esquivé et c'est legit. Très belle esquive. Il est esquive. Vraiment nul. Il est nul. Tu peux déjà faire le tie-break. Tu peux déjà... Oh non. Oh, t'as voulu la faire très rapidement et c'était mal joué. Non. Ok. Je te les donne. Égalité. Égalité, attention. Et il vous reste 2 balles chacun. Et oh, la technique, c'est vrai, tout ça, dans tous les cas. Le chasuble reste droit, mais c'est très épuisant en termes de cardio. Vas-y. C'était malade, hein. Vas-y. Ouais, la technique de Squeezie est vraiment très avancée parce que ça laisse peu d'espace d'attaque. Et si le pied touche la balle, ça se passe? Eh ben écoute, c'est confirmé. Il ne se passe rien. Oh, il a mis son pied pour bloquer. Le pied n'a pas touché. Est-ce qu'il validé? Je me remets derrière la Jean-Loc. Le crabe. La technique du crabe de Locklear pour essayer d'esquiver un maximum. Il est en train de le charmer. Regarde, ça marche. Il le charme. Il le charme. Non. Ils sont trop chiants. Oh, dernière balle. Oh, bordel. Dernière balle alors qu'il y a égalité entre les deux joueurs. Oh là là, mais t'as pas c'est quoi ça? T'as pas tiré. Ah. Les gars, nous sommes en... En balle de match? C'est-à-dire que celui qui touche... Mort subite. C'est mort subite. Genre, si tu touches, il aura un dernier tir à faire. Si jamais il ne touche pas... Attention, Locke, si tu touches ouais, là maintenant, ça joue en si mort subite. Si tu touches maintenant, tu vas en finale, Locke. Allez, c'est la finale, c'est les 4 points qui sont au bout, Locke. Ouais, avec... Ouais. Le mec a pas le contexte là. Je vous rejoins pas moi. Il veut dire la Locke Bizet, elle a changé. Hein. Oh, ça ne touche pas. Rappelez-vous ouais, qu'après. Je suis fatigué, dépêche-toi de me toucher. Vous avez une finale à jouer. Là. Allez, s'il te plaît. Rappelez-vous qu'il reste surtout 2 heures d'émission. Allez, fini frérot. Fini, moi j'en peux plus de faire des danses Fortnite. Allez. Je me mets derrière parce qu'il commence à reculer petit à petit, attention. Et alors, il recule aussi lui. Attention, dernière balle. Il a Locke. Oui, non, mais si tu loot, si, il a gagné. Si t'esquives, c'est gagné, Squeezie. T'as juste à esquiver. Il est agile quand même, le Squeeze. Il est très agile. C'est là que vous voyez toute la capacité athlétique de son corps qui travaille au quotidien. Hé, les gars, hé. C'est vrai que tu vas un peu loin, Squeezie, attention. Tu vas où, gros? Oh, tu l'as mis dans ton corps. Et c'est reparti. Égalité à nouveau, la mort, Suzuki reprend. Et là, on arrive peut-être aux limites. Les gars, je suis désolé, hein, ça va prendre du temps, mais... On arrive aux limites. C'est un pire esprit. Arrête, je suis fatigué. On arrive aux limites. Arrête. Les deux candidats. Ça se joue aussi à l'usure. Oh, poteau, attention. Là, directement, qui prend cette balle. Et qui va la tirer totalement. Et qui va se qualifier. Mais non. Locke. Il est épuisé. Regardez, Squeezie qui est stun. Squeezie qui est totalement stun. Oh, il se fait hypnotiser. Il se fait hypnotiser, c'est la technique spéciale de Locke. Oh, regardez. Ça marche. Regardez. L'esquive est bonne. L'esquive est allez, là. L'esquive est bonne, je suis désolé. Ça y est, il s'est pété les genoux, frérot. Ouais. Et on va compliquer un peu le jeu cette fois-ci. Ah oui, vous êtes attaqué. Ouais, J'ai gagné. C'est fini? J'ai gagné. Ah non, on était dans un moment mignon. C'est vrai. Mais j'ai gagné. C'est quoi, t'as gagné? Tu l'as touché? Parce qu'on se regardait, on faisait des blagues et on voyait le. Ah bah ouais. J'avais la balle secrète. Ah le bâtard, toujours. Hé! Moi j'avais pas de balle, les gars, c'est triche. Ah bah écoute, chacun. Il s'est pas baissé pour avoir la balle. T'en as? Si, t'as une balle depuis tout à l'heure. T'avais pas vu depuis tout à l'heure? Ah, j'en avais une? Ouais, t'en avais une. Ah merde, et celle-là, tu l'as vu venir? Et celle-là, tu l'as vu venir? Oh non, c'est raté. Celui-là, tu l'as vu aussi? Celui-là, tu l'as vu venir? Fin de l'épreuve. Ah, je pense que ça sert à rien, il n'y aura pas de finale. Allez. Je pense que ça sert à rien de faire les finales, je pense qu'on est tous KO. Mais du coup, 3 allez. Points gagnés pour Gotaga face à moi, 3 points gagnés pour Squeezie. Non, pas Locke. Ah oui, pour Locke. Oh, vas-y. Pardon. C'est illégal. 3 points pour Gotaga, 3 points pour Squeezie. Oh. J'essaye hein, de te les mettre, mais non. C'était fatigant. 3 points pour Locklear, soyez honnête. 3 Gotaga, 3 Locklear pour cette séquence. Je pense que les finales seront de trop. Oh. je concède. Allons. Surtout que cette demi-finale était incroyable, on pouvait pas mieux faire. Je concède. J'espère que vous kiffez pour l'instant ce petit mercredi. Je veux bien nous maintenant. Dites-le nous sur le chat, sur les réseaux aussi. On est là. Oh.
Ah oui, là c'est bon, bouteille d'eau. Je veux bien de l'eau là, s'il vous plaît. Vous méritez votre titre de champion du monde. Ouais. Franchement, vous le méritez. Ouais. Ah, c'était des belles games. Hein. Et j'espère vous voir au JO du dodgeball. Ouais. C'était des belles games. Bravo. Continuez à me vous voyez. Oh. Et du coup, tu. Continuez à me vous voyez. Le scoring. Je vous trouve vraiment athlétique et fort. Il y en a un qu'on n'arrive pas à stopper là. Il y en a un qu'on n'arrive pas à stopper. Regardez, ils sont tout comme d'un unstoppable. The French Monster. C'est quoi ça me fait penser au Mario Party? Non? Je vois pas de quoi tu parles du tout. Ok, d'accord. Moi, les Mario Party, je faisais des 1. 3. Ah, ok. C'est pas mal.